c'est bon. Ok, salut à tous. On se retrouve pour le live. Voilà, c'est bon. Donc non, il y a pas, c'est pas demain le live. Il y a pas de souci. Il est pas fini là. Loin d'être fini. Il vient de commencer à peine, hein, vraiment. Vous inquiétez pas. Salut à tous. Nous on relance live. C'est bon. Je l'ai relancé là. Il y a pas de souci. Voilà, sérieux, déjà fini. Bon, mais je peux faire mon truc maintenant. Chut. Ça fait 10 minutes que le live vient de commencer. Il va pas s'arrêter là. C'est pas logique. Non, c'est juste un bug. Vous inquiétez pas. Le live est là. Voilà, ça démarre. Hein. Il y a pas de souci. Le live est fini. Mais non, je vais vous faire un challenge château. Il peut pas terminer là. C'est déjà fini. Bah non, Léana, il n'est pas fini. Le problème est sous contrôle. Ah oui, voilà. Yo, salut à tous. Yo, voilà, donc, allez, voilà. C'est bon, revenez, c'est bon, j'ai relancé le live. Bon, alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu aucune donnée d'un coup. Genre, il y a eu un gros bug. Genre, là, c'était connexion excellente et là, d'un coup, aucune donnée. Ok, le live, là, il s'est mis, il a fait tricher avec, clairement. Il est mort, voilà, simplement. Bref, là, j'ai relancé du coup. Donc là, on recommence le live. Donc, Swan va revenir à sa place du coup pour continuer. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là sur le live, on faisait un challenge château. Voilà, donc on préparait un château. On avait un fruit du démon. On avait des armures, des épées, voilà. Yo, salut à tous, salut Neo Swan. Salut, voilà, donc c'est bon, on reprend le live. Donc là, j'étais sur le moment de construire mon château. Le commencer à le construire. Donc Swan, il construit le sien de son côté, donc moi je regarde pas. Il est là-bas au château, vous voyez, il y a quelques petites constructions qui commencent à s'installer. Yo, salut. Ça va, ouais, tranquille. Bug, ouais, non, connexion excellente là, arrêtez. J'ai eu la malchance là, ça me plaît pas. Bref, donc voilà, là on est sur les modes Horspawn et Minimnomi. Je vous mettrai les liens dans la description pour les trouver, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est et je suis sur un serveur que Minecraft FR et MTX nous ont offert, donc ça fait très plaisir. Merci à eux. Voilà, bref, là on est sur un challenge château. Donc voilà, donc j'avais mangé un fruit du démon, voilà, qui me permet d'être le Sukesukinomi, qui me permet de devenir invisible, comme vous pouvez le voir. Voilà, tout simplement, pour ceux qui n'avaient pas suivi le live. Et du coup, on va faire des petits, on va faire deux châteaux chacun de notre côté, et on va faire un méga combat à la fin du live. Donc il n'est pas fini, hein. Loin d'être fini là, hein. Là, on vient de commencer. Donc, on va pas le faire en bedrock, on va le faire en obsidienne, sinon c'est trop méchant. Quoi, Swan? Tu veux voir mon premier piège? On doit pas se spoiler, Swan. Et puis, Swan, si ça se trouve, je viendrai jamais à cet endroit-là. Hein. Un piège, mais... Et en plus, j'ai bloqué l'accès. Je suis fan de vous, hein. Merci, ça fait plaisir. Merci à tous. Bon, si je peux regarder, mais bon, si ça se trouve, j'y serai jamais, donc ça sert à rien. Oui, mais regarde, s'il te plaît. Bonsoir, salut. Tu vas juste regarder en bas du coup. Swan, faut faire un intérieur, mais il faut faire aussi un bel extérieur. Ah ouais. Regardez ce qu'il a mis, Swan. Ça... Ah ouais, il est cru alors. Il a mis un crabe géant. Et pour continuer, il faut casser des blocs de diamant troll. Ah ouais, d'accord, génial. Ou tu peux creuser dans la terre. Swan, faut que tu te crées un château, hein, pas ça. Parce que ça, j'ai jamais y aller. Hein. Merci Loris BDT. Pendant 2€, on peut s'appeler sur Insta, Loris. Ah ok, vas-y, on s'appelle direct, hein, y a pas de soucis. Par contre, mon téléphone a disparu. Il a disparu de la surface de la terre. Je le retrouve plus. C'est fou, hein, vraiment. Je sais pas du tout où je l'ai mis. Faut que je le retrouve. Salut à tous. Ça ne bug pas par contre. Bah ouais, merci. Modérateur, voilà. Ah, coucou. Salut. Bref, Swan, tu dois créer un château, hein. Ok, oui, attends. Bref, nous, on va commencer à installer notre château, voilà. Donc, on va l'installer là. Voilà. On va commencer une petite construction, vous voyez. Donc, allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes parés? Yo. Salut à tous. Voilà, je fais un peu de place. Vous voyez, on va pouvoir commencer à construire. Ça a bug. Mais non, il y a une connexion excellente, c'est bizarre. Donc voilà, je commence à construire le château, vous voyez. Salut Néo, salut. Voilà, on commence le château. Donc moi, je sais pas si j'ai vraiment un expert en construction de château. Mais bon, voilà, on installe le truc, quoi, vous voyez. Là, je pense qu'on est bien. On est même un peu trop gros, là. Ça va être un gros château, mais faut pas abuser non plus, hein. Bon, Loris, faut que je retrouve mon tel et on s'appelle après, y'a pas de soucis. Oui, Minecraft. Voilà, petit Minecraft. Petit live avec Swan, voilà, simplement. Oh, salut Néo. J'ai apprécié un indice. En fait, passer dans le passage avec crabe est impossible. Il doit bien avoir un autre moyen pour aller au donjon. Et Swan, là, tu dois te créer un château. Hein. D'accord, yo, tu fais quoi? Bah là, on va faire un challenge château. Voilà, on va créer deux châteaux. De notre côté, on va devoir faire un fight à la fin. Du Fortnite. Fortnite, ce sera demain, vous inquiétez pas. Je fais du Fortnite toute la semaine. Il n'y a que un seul jour dans la semaine où je fais du Minecraft avec Swan. Voilà. Bug. C'est du troll, non? J'aime trop vos vidéos. Bah merci, c'est plaisir.
Moi c'est pas... c'est bizarre parce que moi j'ai connexion excellente hein. Donc voilà, là je commence un château gentil, vous voyez, il y a pas de soucis pour l'instant, vous êtes d'accord hein. Mais après ça va commencer à être plus compliqué, vous voyez, vous allez voir. Ouais. Le samedi Minecraft, c'est ça? Ouais, c'est ça, parfaitement. Salut à tous. Bon, je vais déjà me faire un sol. Hein. Ok, salut à tous. Salut à tous. Donc d'ailleurs, tous ceux qui proposaient l'autre jour pour jouer à Fortnite, ne vous inquiétez pas, on jouera dimanche, il n'y a pas de souci. On fera un live Fortnite. Voilà, d'ailleurs, c'est les vacances pour moi maintenant, donc écoutez, je vais peut-être faire des lives plus longs, voilà, plus souvent, on verra. Voilà, salut à tous. Moi, Néo, je préfère Minecraft plutôt que Fortnite. Bah écoute, justement, c'est pour vous que je fais des live Minecraft parce que je sais qu'il y en a qui adorent Minecraft et d'autres qui adorent Fortnite. Donc voilà, je fais un peu des deux, vous comprenez. Voilà. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est très mauvais signe, ces bestioles. C'est quoi ces bestioles? Ça, mets pas tes fourmis vers moi, hein. J'ai pas fait exprès pour les fourmis. Yo, salut Néo, bah salut, comment ça va? Les fourmis peuvent tout ravager. Hein. Ouais, c'est... Salut Néo, salut à toi. Bonne question, Swan. Je sais pas de quoi tu parles. Écoutez, on installe notre base. Hein. Hey, je suis pas mal en vrai. Hein. Là, je fais ma petite maison. Yo, Néo, salut à tous. Ouais, nous, on se met en obsidienne. En tout cas, on est bien. Hein. Franchement, ça va. Hein. Ouais, salut Néo, je préfère Minecraft. Bah, écoute, ça fait plaisir. Merci à tous. Hein. Salut, ça va? Ouais, ça va tranquille. Donc voilà, on fait les préparatifs pour l'instant. Donc là, bon, c'est moins marrant, on est d'accord. Hein. On fait juste des murs, des sols, etc. Ah, son aussi a commencé à construire quelque chose. Bah oui. Attendez, il est super bien lui aussi. Hein. C'est des blocs de quoi, ça? C'est des blocs de... C'est des blocs... Oh, j'ai débouché dans une grotte, c'est des blocs de Mobzilla. Oh, c'est une blague. Il a fait avec des blocs de Mobzilla. Donc Mobzilla, c'est un mob hyper fort. Et sa carapace, c'est quasiment indestructible. Et il fait ses blocs avec ça. C'est une blague. Donc c'est quasiment pareil que l'obsidienne. Vous voyez, donc... voilà, on sera tous les deux avec des bases redoutables. Hein, clairement, hein. Non, mais tu verras, moi pour l'instant c'est pas fini hein. Ah d'ailleurs, garde mon conseil hein. Pour mon donjon, il faut pas passer par les crabes hein. Ouais, c'est oui. C'est impossible de passer par les crabes. Soit nous a mis des blocs trolls à plusieurs endroits. On va pas aller les chercher hein. Donc voilà, pour l'instant, voilà, c'est juste un morceau de bloc hein. Vous voyez, y a rien de très très bien quoi. Ah ouais, oh non. Ah dommage ça, hein. Voilà, donc là on a un début de surface que je vais un peu améliorer après, vous inquiétez pas. Néo, bloc émeraude. Je sais pas si résistant les blocs d'émeraude. Hein. Salut. Ah, ça peut-être. Ah oui, toi tu les as déjà mis donc j'ai pas de copier. Bah, moi j'ai aussi mis des blocs de diamants troll. Ah oui, attention. En vrai, je vais mettre des mobs, mais j'ai trop peur qu'ils m'attaquent moi ces mobs, tellement ils sont puissants. Mais toi, je crois pas qu'ils peuvent moi m'attaquer en fait. Bah, si, ils vont t'attaquer évidemment. Bah, si, tu vois, ils vont t'attaquer.
Donc on aura deux bases, Swan, et on peut aller dans la base de l'autre pour l'attaquer. Mais voilà, on peut se préparer, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Attends, moi je bon bref, voilà, je fais des murs. Hein. Je regarde s'il n'y a pas des blocs plus esthétiques, parce que là c'est trop sombre, vous voyez. Mets des blocs troll autour de la base. Ah ouais. Non mais c'est Sun qui le fait ça. T'as perdu ton iPhone. Pas complètement. Oh venez, on va mettre des blocs stylés comme ça. T'as écouté ce que je viens de dire ? Non. C'est un gros indice, c'est la télé. Passionnant. Oh ça aussi c'est stylé. Il y a tout qui m'enchante là dans les objets en fait. Et écoute-moi Léo. Non, oui. C'est pas mal ça. Mon donjon est à côté de ma base. Oh, grave stylé ça. D'accord. Oh, regardez, ça fait. Ok, ça fait spawner des fées. D'accord. Ça, c'est pas mal aussi. C'est des bons blocs rouges. Là, c'est des blocs de rubis ça. Hein. En vrai, ça, ça va mieux. Franchement, ça, c'est beaucoup plus stylé. On les ajoutera après, vous voyez. En déco. Pour l'instant, on fait juste des murs. Hein. Après, on affinera, vous inquiétez pas. Là, c'est juste un gros bloc, mais. Ce sera beaucoup plus beau, ouais, ce sera beaucoup plus stylé après. Salut à tous, comment ça va? Yo. Yo, j'ai raté quoi? Bon, rien de spécial, on crée nos bases pour l'instant. C'est un peu long, quoi. En vrai, je vais faire seulement deux étages hein, pour ma base. Yo, salut à tous. Yo, fais un canon à TNT. Dis-moi dans le chat comment on fait un canon à TNT. Eh, tu triches avec les abonnés. Écoute, ils m'aident, hein, eux. Ah, ça aussi, il fait une super base, là. Hein. J'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite que moi, même. Merci à Rony pour ton 2€. Seigneur, tu peux venir voir ma dernière vidéo. Voilà, vas-y, faudrait que je la regarde. Hein. Je crois que je te connais, toi. Non. Ah, si, c'est bon, vas-y. C'est quoi ça? C'est une sorte de libellule, je crois, non? Ah, c'est une libellule, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle mange. Elle mange tout ce qu'il y a sur son passage. Yo, ça va bien, ouais, tranquille. C'est énorme, ça. Attends, je vais essayer de la tuer. Voilà, regardez, on a un début de bloc là, c'est déjà pas mal. Eh, c'est un gros épique entre une fée et ma libellule. C'est la libellule qui va gagner. Hein. Oui, c'est beaucoup plus fort. Ouais, elle est terrible. Ok, on a combien de blocs? Attendez, je vais compter. Je vais varier les blocs pour. Non, elle a gagné la fée. Elle est si forte la fée, non? Non, en fait, il y en avait 3. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Ok, ok. Ok, c'est là le centre du coup. Voilà, donc avec tous ces blocs, on peut faire un petit truc stylé, je pense. Un bon rendu, là, vous voyez. Voilà, déjà, on peut pas mettre des escaliers. Là, il n'y a pas des escaliers. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup dans ce mode, hein, des escaliers. Ah, dommage, ça, dommage, dommage. Léon, je pense que si tu me vois, là, j'ai plutôt bien annoncé. Hein. Ah ouais, j'ai l'impression de voir ça, Sun. Hein. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est ce truc. Un item qu'on peut pas mettre ici apparemment. Ça, Crystal Tree Leaf. Island Block. Je sais ce que c'est Island Block. Attendez, on va le faire un peu à l'extérieur. Mais je sais ce que c'est un Island Block. Non, tu m'avais montré ce que c'était. Un Island Block. Attendez, je vais. C'est un bloc. What? Ok. Merci Rony pour ton 2€. Oui, je suis ton voisin. Ouais, bien sûr, je suis ton voisin. C'est un mode, bah évidemment. Salut. Je t'aime, Néo. Merci, ça fait plaisir. Merci à tous. Salut, Néo. Bah, salut, comment ça va? J'ai des petits tests, hein. Je regarde un peu comment ça se passe. Oula, ça c'est des monstres assez redoutables. Hein. Ça, c'est. Ça gère bien, ça, vous voyez.
C'est où la poudre d'os là? Ça là, voilà. C'est nul, ok. Donc on va faire une grande ouverture, vous voyez, on faut bien qu'on qu'on souhaite la bienvenue à Swan. Swan est ravi. On dirait un portail. Je sais pas, on peut pas mettre des sculptures là, vous voyez. Je fais des décorations, je tente des trucs, hein, ok, donc rigolez pas. Hein. Y a pas des portes stylées qu'on peut mettre là? J'ai franchement pas l'impression qu'il y ait des belles portes. Hein. On va mettre des portes en fer, hein, voilà. Bon, ok, c'est moche, mais voilà. Classique des portes en fer, vous voyez. Au pire, on met pas de porte, non? Je sais pas. Bon, je mets des décos, hein. Je fais un petit truc, vous voyez, que ce soit à peu près. Voilà, on est un peu sur un royaume des ténèbres, vous voyez. Merci à Porsche 4577 Maserati pour ton 2 euros. Salut, je vous adore. Bah, merci, c'est plaisir à toi. Hein. Merci beaucoup. Bon, je tente des trucs, hein, voilà, ne vous moquez pas. Hein. Vous me direz dans le chat si c'est vraiment très moche. Ah, dites-moi votre ressenti. Ok, l'entrée est très jolie, bah merci, ça fait plaisir en tout cas, merci beaucoup. Là, j'essaie de faire un peu esthétique, mais bon, oubliez pas qu'il y a aussi les petits pièges, faut installer, hein. Ouais, oublie pas. Oh non, j'avais oublié que ça faisait spawner des... C'est quoi ce bruit? Spawner des fées. Bref, regardez, ça rend bien en vrai. Franchement, je suis plutôt fier. Pour l'instant... Moi, je suis pas très fier, tu vois. Pour l'instant, c'est pas trop moche. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres blocs esthétiques comme ceux-là. Hein. Parce que vous voyez, on a vraiment une grande variété de blocs qui sont très stylés. Merci, Elkaïs, pour ton nom de 1€, c'est plaisir. Je sais pas, je regarde s'il y a des beaux blocs qu'on peut installer là. Ça va, c'est beau. Ok, merci. Ça va, donc si ça va, ça va. Alors... Oh, merci à Porsche qui m'envoie un don de 10€. Salut, elle est belle ta maison. Oh, merci, c'est plaisir. Merci, grosse dédicace à toi. Merci à LVI qui m'envoie un don de 1€, si c'est plaisir. Hein. Ouais, pour l'instant, on est vraiment dans la création, vous voyez. Il n'y a pas forcément... C'est original. Merci, merci, en tout cas, c'est plaisir. Voilà, ça me touche, merci. Non, non, pour l'instant on se spoil pas. Hein. Ouais, tu peux regarder d'ici, mais bon, voilà, sans plus. Oh, ça rend bien ça, non? Vous en pensez quoi? Quoi? Ouais, tu me vois, génial. Okay, merci Alain Zozo pour ton nom de 1€. Quoi? Ah, tu vas y arriver, ouais. Bon, Swan, ne perds pas de temps, hein. Crée ta base. Là, on doit être à fond là-dessus, surtout. Hein. Mais, je suis pas mal quand même. Hein. Ouais. En fait, souviens-toi, hein. L'entrée du donjon, c'est passer des crabes. D'accord. Moi, bon, je sais un peu où elle est. Hein. Tu sais où elle est? D'après ce que je vois. Hein. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Bon, je sens le rendu nul, vous voyez, mais bon, j'essaye un truc. Hein. Merci Porsche qui m'envoie encore un don de 10€. Tu peux dire à Swan qu'il est trop drôle. Bah vas-y, Swan, t'es trop drôle, écoute. En tout cas, ça fait plaisir, merci pour ton nom, encore une fois. J'ai plein de choses à remplacer avec ces maudites fourmis. Hein. Attends, déjà, je
Oh, pas ça, pas ça, non, 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 non. Swan, Swan, t'as fait quoi? J'ai fait quoi? Attends, c'est pas les blocs qui font spawner des... Quoi? Ça s'appelle comment? Des cristal termites nests. Quoi? Ah, c'est ça qui fait spawner les... Merci, Merci Nelwyn Marchand pour ton 10€. Salut, je vous adore, vous êtes les meilleurs et la maison est super. Merci, c'est un plaisir en tout cas. Mais c'est des spawners de fourmis. Et ces fourmis là, c'est clairement les pires. Elles créent des blocs de terre et peuvent détruire ta base en 2 secondes. Quoi? Bah, je sais pas, c'est vite bizarre là. Les casse pas! Les casse. Ok. T'inquiète. Ok, regardez, on voit, ça rend bien. Je sais pas, je savais pas non plus hein. Et c'est pas moche hein pour l'instant, en vrai ça passe non? Vous en pensez quoi dans le chat, dites-moi. Salut, je vous adore, merci, c'est plaisir. Troll Swan, vous inquiétez pas, mettez des portes en enfer, bah c'est fait hein. On met quoi pour les... ah, les trucs pour actionner là, vous voyez. Déjà c'est où? C'est dans les systèmes je suppose? Ouais c'est là. Ouais c'est des pressions. On met laquelle de pression? Non, c'est un peu ma base, Swan, hein. C'est pas toi qui choisis. Oh, merci à Porsche qui m'envoie un don de 20€. Tu fais un dédicace, s'il te plaît. Bah, grosse dédicace à toi. Porsche 4777 Maserati, un gros dédicace. C'est plaisir, merci pour tous tes dons. Hyper sympa. Grosse dédicace à toi. Hein. Très beau, merci, ça fait plaisir. Hein. Merci à tous, très très sympa, merci. T'as plein de blocs, toi. Par contre, je peux comprendre hein, qu'il y a des petits soucis. Bon, ok, c'est moins beau, mais bon, c'est histoire de d'ouvrir les portes, vous voyez. On est un peu obligé aussi de faire ça. Hein. Voilà, je laisse la bienvenue à Swan, vous comprenez. Attends, les blocs. Oh, je sais ce que je vais prendre comme bloc. Attends, où sont les blocs de redstone de Swan? C'est les blocs de donjon horribles qui bougent de partout là. Et blocs de redstone? J'ai pas mis de blocs de redstone. C'est ça là, voilà, les lava foam. C'est horrible ce truc. Attendez, genre si. Ouais, c'est glissant, vous voyez. Ah ouais, ça nous fait rebondir. C'est parfaitement ce qu'il me faut pour entrer dans ma base. De quoi? Non, pas pour l'instant. Venez, parce qu'en fait, je vais mettre une des petites crevasses, vous voyez. Il y aura des pièges. Faire un peu de place là. Bon, je sais pas si je vais recouvrir les crevasses parce que vous voyez, histoire de être un peu long quoi. Bon, il y a lui qui m'énerve là. Je l'ai tué ou pas? Non, il est en train de brûler. Ah, j'aime pas ce monstre là, ça m'énerve. Yo, et les indices? Les indices de tout le monde dans ma base, hein. D'accord. Attendez. C'est bestiole qui m'énerve là. D'ailleurs, j'ai remarqué que mon donjon est. Je te dis pas le reste. Mon donjon est, je te dis pas le reste, d'accord. Ça va rester secret. C'est très galère ces trucs, hein, vraiment. Merci Porsche 4777 Maserati pour ton 2€. Tu en as marre du confinement? Oh bah non, au contraire. Oh merci à Enzo du 72 qui m'envoie un don de 20€. Néo, t'es sur quelle version de Minecraft? Je suis sur la version 1.7.10. D'ailleurs, c'est une des versions où il y a le plus de mods qu'on peut télécharger. Voilà. Je vous mettrai tout dans la description pour les mods et les serveurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil à la fin du live, bien sûr. Hein. Mais voilà, je vous mettrai ça en description. En tout cas, voilà, c'est en 1.7.10, voilà, c'est une des meilleures versions, clairement. Donc là, il faut que je fasse de la profondeur. Au calme. Voilà, faut que je sois... faut au moins que j'ai ça, là. Oh, ça va être très long, ça, je pense, hein. Mais bon. Voilà, faut que ça fasse ce rendu là.
Ok, yo, salut, non, c'est trop bien, merci, c'est plaisir. Bon, là, je suis désolé, c'est un peu long, mais bon, vous comprenez, voilà, c'est les constructions, les préparatifs. Oui. D'accord, merci Ronnie pour ton nombre de 11€. J'ai offert plus de 4000€ de masque, cher Juco, dans ma dernière vidéo. Ouais, je te connaissais, c'était toi qui faisais ta petite pub, mais n'hésitez pas à aller voir, hein. Voilà, vas-y. C'est à mon tour de te faire un peu de pub. T'as bientôt fini ta base, Swan, ou pas? Loin, non? Ah non, 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 Swan, là, on est... on a terminé la base. Swan, t'inquiète, moi, c'est dans longtemps que j'ai terminé la base, donc franchement, t'as le temps. Je pense que je vais mettre un Hammerhead. Est-ce que vous connaissez les Hammerhead? Le Hammerhead, je pense que je vais le mettre là, vous voyez? Juste en dessous. Donc c'est un mob extrêmement puissant qui peut tout détruire, clairement. C'est la mort assurée s'il tombe là-dedans, de toute façon. Parce qu'en fait, ça dépend des armures que t'as, mais genre full émeraude, il tue. Hein. Alors il est très gros, donc je lui fais beaucoup de place. Hein. Coucou Néo, salut, salut, ça va, bah c'est tranquille. Y'a pas de soucis. Voilà, j'installe les douves. Voilà, c'est comme dans les châteaux, vous voyez, j'installe les petites douves. Je suis content que ce soit du sable, hein, parce que c'est moins... C'est plus facile à casser, en vrai. Mais en fait, dernier haut, je tiens à préciser que mon château n'est pas un seul élève de château. En fait, moi, je vais faire un petit peu une sorte de... Là, en fait, sur quoi, j'ai construit... Ça nous fait toute une organisation. Bah, château, c'est... Voilà, regardez. Est-ce qu'on a la place de mettre le Hammerhead? Encore un peu de place en vrai. Je pense que c'est pas assez là. Oui, j'ai terminé les murs. Oh, ça, on a fini ces murs. J'adorerais. T'es en survie. Non, non, non. On se mettra en survie juste après pour le combat. Mais là, on se met en créatif parce que sinon, on peut pas créer le château du siècle. Vous êtes d'accord? Oh, vous êtes bientôt 5000. Oh, oui. Vous êtes plus de 5000 sur le live, c'est énorme. Merci à tous. Quoi? Fais voir, attends, on va jeter un petit coup d'œil à la base de Swan, où il en est, parce que vous voyez, on fait la nôtre, mais vous voyez pas trop celle de Swan. C'est bizarre parce que j'ai énormément de fourmis, mais c'est à chaque fois les mêmes. Ah ouais, on a plein de fourmis arc-en-ciel. Et des fourmis bizarres. Ok, donc Swan a installé son château ici, bon, c'est un début, vous voyez. Et il a installé ça aussi, bon, ok. Ça, c'est entrée piégée impossible. Il a installé ça aussi, en fait, il installe plusieurs châteaux avec des pièges, ok, bon. Salut à tous. Ok, bon bah salut, comment ça va? On met quoi en vrai? Le Hammerhead, c'est bon, je pourrais le retrouver en vrai. On peut limite mettre des Hercules aussi, des Hercules Beatles. C'est des mobs aussi très puissants. Voilà. Wow, oui, il y a plein de spam déjà. Attends, on va... Merci. Merci à Nelwyn Marchand pour ton nom de 22€. Ça fait trop plaisir. Salut Néo, ça fait plus de 2 ans que je vous suis. Mes potes disent que vous êtes nuls. Je vous ai tout le temps défendu et aujourd'hui ils regardent votre chaîne. Ah ouais, bah c'est magnifique ça. Hein, très beau. Eh bien, un grand bravo et un grand merci à Nelwyn Marchand. Gros dédicace à toi. Et bah voilà, c'est merveilleux. Écoute, ça me fait très plaisir. Merci à toi. Bah ouais, merci de nous avoir défendu. Voilà, auprès de tes amis. Ouais, merci. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Ça c'est très beau. Hein. Merci. Gros dédicace à toi. Hein. Super sympa. Merci. Et merci à Alexis Michaud qui m'envoie un don de 1€. Voilà, petite dédicace aussi. Bref, on continue à construire. Voilà, on était sur les doux. Vous êtes quasiment 6000, enfin 5600 sur le live, c'est énorme. Merci à tous en tout cas. Je suis content que ça vous fasse plaisir, un petit live Minecraft, hein, j'en fais pas souvent, voilà. Là, voilà, je prépare un château avec Iswan à côté. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a assez de place cette fois? On a assez de place pour mettre le Hammerhead là, je pense. Je suis pas ultra sûr, mais bon, vous savez quoi, on va encore casser là. Hein. On n'est jamais trop sûr. Bien joué, soit.
Ouais, mais tu vas voir cette place là. Je vais lui mettre un nom pour pas qu'il disparaisse, vous voyez. Attendez, est-ce que c'est facile de passer genre ça là? Ouais, en vrai ça va. Hein. Faut que je mette des murs. Ouais, si je mets une petite barrière, vous voyez. Ouais, comme ça. Et voilà. Parfait, parfait. Merci Alain Zezo pour ton 3€ mon Insta, s'il te plaît. Alain Zezo. Bah vas-y, faudra que je t'ajoute. Hein. Cool alors, merci. T'inquiète Loris, faudra que je t'appelle durant le live. Hein. Je n'oublie pas moi, parce qu'il n'y a pas de souci. Écoutez, c'est pas mal en vrai, je suis pas déçu. Bon ok, c'est pas très esthétique, on est d'accord. Mais bon. Voilà, en vrai j'apprécie l'idée. J'apprécie l'idée. Donc là en vrai il peut passer, mais il faut surtout pas qu'il touche ça. Je t'entends dire tes pièges hein, Néomi. Mais fais comme si de rien n'était, d'accord? Ah ouais, ok. Alors, si tu m'entendais pas. Alors tu m'entends. Bon alors est-ce que vous êtes prêts? On va faire spawner du coup le Hammerhead. J'espère qu'il y aura assez de place en vrai. Hein. Ok, bon. Ah ouais, faut que ce soit plus profond. Là, il est à moitié bloqué. Hein. Il est à moitié bloqué. Merci Porsche qui m'envoie encore un don de 5€. Je t'ai fait 50€ de don. J'espère que ça te fait plaisir. Et bah, ça fait très plaisir. Merci à toi. Un gros dédicace. J'ai rien à dire. C'est ultra sympa de ta part. Merci beaucoup. Bon, le pauvre Hammerhead, là, il a pas cette place. Il n'empêche immense hein. Il est immense hein. Il est peut-être un peu trop gros même justement. Vous voulez pas que je mette genre autre chose? Alors voyons. Ça passe, bon. Vous en pensez quoi donc? Dites-moi dans le chat. Est-ce que je prends ça? Ou bien regardez, je vais vous proposer les mobs. Les mobs. Donc attendez, on va pas mettre ça. Hein. Genre, est-ce qu'on prend un céphadrome? Vous savez qu'il y a même un mob Naruto. Dites-moi dans le chat si vous voulez que je fasse spawner le mob Naruto. Marquez Naruto si vous voulez que je fasse spawn ce mob. Voilà, tout simplement. Si vous voulez qu'il garde le lieu, dites-moi dans le chat. Hein. T'es le best. Merci à tous. Hein. Ça fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Alors, marquez Naruto, hein, tous les fans, si vous voulez que je fasse spawner ce mob. Attends, c'est lui le Hercule Beatles? Non. Il est où le Hercule Beatles? Attendez, il faut marquer Hercule au pire. Voilà, il est là. Alors, je remplace pas quoi par quoi? Ça là, je sais pas. Naruto. Ouais, je vois que vous êtes chaud pour le Naruto, ok. Attendez, déjà, je vais vous faire spawner ces mobs-là. Est-ce que on met quoi dans le chat? Est-ce qu'on met Hercule, le Céphadrome ou le Hammerhead? Marquez dans le chat lequel vous voulez que je mette. Est-ce que je mets lui ou encore lui? En vrai, lui, ça pourrait limite être le mieux, hein, le Céphadrome. Je sais pas ce que vous en pensez. Naruto. Ok, je vais faire spawner le mob Naruto après. Je le fais spawner, vous inquiétez pas. Bon, on fait spawner lequel. Vous mettez aussi lequel je fais spawner entre eux deux. Hein. Je vous attends dans le chat pour ce que vous en pensez. Ouais. Enfin, j'ai la nausée du coup vu que je suis allé dans l'eau. Bon alors, du coup je vais faire spawner le mob Naruto et vous allez me dire ce que vous en pensez après. Ok, wow, vous êtes ultra chaud pour le... Regardez, c'est un Kyubi, voilà, c'est un Kitsune, voilà, tout simplement. Merci Fourkill 3 pour ton nom 1€. Naruto. Le Hammerhead. Ah, vous avez Céphadrome. Bon alors, j'attends juste vos réponses pour le Céphadrome et le Hammerhead et le Hercule. Hercule, Céphadrome. Hammerhead, Céphadrome. Le Céphadrome. Ouais, vous avez l'air plus chaud pour le Céphadrome. Ok, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Et le voilà, le magnifique mob Naruto
Tout simplement, donc voilà, c'est un Kyubi, un Kitsune. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop dessus ou qu'au contraire vous êtes super content de ce mob, voilà. Donc moi je le trouve vraiment très bien fait. En vrai c'est un mob vraiment grave stylé, vous voyez. Il est juste ici, merci, merci Porsche pour ton 2€. Yo, Néo, tu peux dire, j'aime les knackis. Ok, bon bah j'aime les knackis. Donc voilà, est-ce qu'il vous plaît, mettez une note sur 20 à ce mob, voilà, moi en vrai je le trouve grave stylé hein. On va dire un Naruto justement qui est là dessus, voilà. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez de ce mob. Bon, je le tue hein, je suis vraiment désolé les fans, mais voilà, c'est... Et là il sert pas à grand chose. Naruto, Naruto. Ah, vous voulez que je mette le mob Naruto carrément? Bon, je suis désolé, Hammerhead. Regardez, il survit à l'épée la plus puissante du jeu. Hein. Bon, pas avec beaucoup de vie, mais quand même. Je récupère le stuff. Ok, le Céphadrome. Ah, voilà. Et lui, par contre, il tient là-dedans. Donc, c'est aussi un monstre extrêmement redoutable. On va lui mettre un nom pour qu'il reste. 20 sur 20. Ah ouais, vous l'aimez bien. Est-ce que je vois que vous aimez bien? Waouh, 20 sur 20. Vous l'aimez bien ce mode. Est-ce que vous voulez que je le mette en piège, le mob Naruto? Dites-moi dans le chat. Il est grave stylé. Ah, ça fait plaisir, vous l'aimez bien. Est-ce que je le mets en mob piège? Est-ce que je le mets en piège? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Voilà. Non, le Céphadrome. T'inquiète, je mets le Céphadrome là. C'est un Céphadrome lui, vous inquiétez pas. Voilà. Céphadrome que vous avez demandé. Tiens, il y a aussi des mobs One Piece dans le, qui sont du mode One Piece par contre. On a les monstres marins, on a les lapins des neiges. Voilà, bon, je les. Dites-moi si vous voulez que je les fasse spawn, mais voilà. Eux par contre, c'est vraiment les vrais mobs One Piece. Eux, voilà, il y a. 100 sur 100. Ah ouais, vous l'aimez bien, ça me fait plaisir. Vous me direz si vous voulez que je le mette dans la base, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais faire spawner moi déjà? Ah, j'ai complètement oublié ce que je voulais faire. Ah bah voilà, j'ai plus de mémoire. ok, oui, oui, ah ouais. Piège, ah ouais, vous... je suis fan de Naruto. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Naruto. Il faudrait que je le mette, un hein. Cadre Killer, c'est redoutable ça aussi. Hein. Tu verras, tu verras. Bon voilà, en tout cas, le Céphadrome qui est juste ici, ça fait plaisir. Hein. Donc vous voyez, Swan il dit, allez, vite, je vais t'attaquer. Et voilà, il tombe. Et là, il fait le Céphadrome. Je pense pas qu'il ait beaucoup de chance contre lui, hein. Voilà, c'est l'un des mobs les plus puissants aussi. Hein. Extrêmement fort le Céphadrome. Hein. Je tenais à le préciser pour ceux qui ne le savaient pas. Donc je vais faire d'autres douves, pas que celle-là. Mais voilà. Oui, piège Naruto. Ah ouais, vous êtes ultra chaud pour le piège Naruto. Bah on va faire ça. Porsche, Maserati, merci pour ton 2€. Je vous suis depuis que Swan chante l'alphabet. Ah ouais, bah ça date, effectivement. Ça date beaucoup. Ok. Mais le criminel. Ah, vous voulez que je le fasse spawn? Est-ce que c'est des... Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous l'avez vu C'est lui le criminel. Hein. Je vais spawn le criminel en vrai. Je suis pas fan des criminels moi. Regardez. Regardez, il va se faire détruire par le Céphadrome pour la peine. Voilà. Le Céphadrome, vous voyez. Enfin, le criminel, c'est un gros gars qui vole vos armures et vos armes. Et c'est ça qui le rend très fort en fait. Parce qu'il est pas forcément très fort finalement. Il est très résistant aussi. Ouais. Oui. One Piece, mets le boss The King. Non, non, pas le boss King. Si je le mets, il va détruire toute la map. Non, non, c'est mort. Merci Nelwyn Marchand pour ton don de 2€. Non, non, il va détruire tous nos châteaux, il va tout détruire, ce sera mort. On pourra plus rien faire. Voilà, c'est le boss le plus puissant du mode. Il est quasiment imbattable. Voilà, c'est. J'ai rien à dire là-dessus, il est trop trop puissant. Même Mobzilla, rien que de le mettre là, ça sert à rien, il va tout détruire. Ça ne t'a pas intérêt à le faire spawner d'ailleurs, ne les fais pas spawner. Mais c'est pas parce que je mets des mobs de. Enfin, des blocs de Mobzilla. Bah, que je. Oh, ouais, t'inquiète. Non, mais voilà, c'est une histoire de confiance, tu vois. Ah oui, je voulais nommer le Céphadrome, c'est vrai. Pour pas qu'il disparaisse. Je suis vraiment tête en l'air en fait. Hein. Alors c'est où qu'on trouve les trucs, qu'on trouve les trucs, voilà. On va l'appeler comment, c'est le Céphadrome. Bon, je vais lui mettre un... Mettez-moi un nom que je peux lui mettre au Céphadrome. Comment j'appelle moi le Céphadrome? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Merci Urbex pour ton 2€, je t'adore. Néo dit mon nom, Evan. Ivan Imodo Salmej. Bon voilà, gros dédicace à toi Evan. Je l'appelle comment du coup? Mobzilla.
Quoi le mode? C'est le mode hors spawn et mini mini nomi. Voilà. Bon, je sais pas comment on va l'appeler. Hein. Je vais l'appeler. Bibi. Ah ouais, vous avez des bons noms. Fantôme blanc. Gérard. Léo. Deadpool. Ok, Bibi. On l'appelle Bibi? Le piège. Ah, vous voulez qu'on l'appelle le piège? Le dieu. On va l'appeler Bibi, voilà. C'est notre petit Bibi. T'as pas intérêt à le tuer, Swan, hein. C'est mon Bibi, voilà. C'est qui, en fait, ton Bibi? C'est lui, Bibi. Ah, attendez, est-ce que j'ai bien réussi à mettre le pseudo? Je vois pas, en fait. On voit pas trop, là. Hein. Attendez, est-ce qu'on voit son nom? Il est tellement gros, je sais même pas si je l'ai installé. Ah non, je l'ai pas installé, on peut le voir, là, que je l'ai pas... Est-ce qu'on peut lui mettre, déjà, en vrai? On peut même pas. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va dire qu'il s'appelle Bibi psychologiquement. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Pour nous, il a pas intérêt à des spawns. Hein. Merci Porsche pour ton 2 euros. Bon, on va l'appeler Bibi comme ça, hein, vous voyez. Bon, alors maintenant, il est temps de faire un peu un étage au-dessus, vous voyez. Harry Potter. Parfait. Idéal, vraiment. C'est le meilleur, ça. Donc là, ça va être la tour de garde. Bah, c'est un château, Swan, hein, je te le dis. Hein, c'est. Il fait sa petite maison, regardez, attends. On va voir ce que fait Swan. Draco. Godzilla, oula. Godzilla, c'est sur un mode, mais. Ça fait mal aux yeux quand même. Hein. Bah, mais lui aussi, il fait mal aux yeux. Swan, le sol que tu as mis là, il fait de la force. Hein. Il augmente ta force, le sol que tu as mis. Non, 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 c'est string, hein, ça augmente ta force. C'est les blocs qui font ça. C'est pour ça que tes fourmis, elles avaient tous des sorts là. Tes fourmis sont super fortes, elles vont faire deux fois plus de dégâts si t'en survis. Merci Nelwyn Marchand pour ton nombre de 10 euros, c'est plaisir. Bon, venez, on va faire le toit. Hein. Voilà, on a tissé fait Bibi là, si Bibi. Ah, ça va, tranquille, t'es bien. Mais Naruto, je sais pas quand on va l'installer Naruto. Quand on le met le mob Naruto, vous en pensez quoi? Dites-moi dans le chat, hein, je vous attends. Mais j'ai bientôt fini, il est au sol de ma maison. Oh, j'ai une trop bonne idée. Oh, j'ai l'idée du siècle. Regardez, mon fruit des démons, il a une autre particularité. Il a une particularité particulièrement citée. Mais je l'ai pas installé là. Vas-y, on va la remplacer juste là. Je sais pas si vous avez découvert la particularité, mais bon. Voilà, pour ceux qui l'ont compris, voilà, vous voyez ce que je que je prépare un petit Swan, hein, n'est-ce pas? Nelwyn Marchand qui me dit comment va Swan. Merci pour ton 4 euros. Bah, Swan, il est juste à côté. Si vous demandez-le si vous voulez le voir, il n'y a pas de souci. Swan va très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Oh non! Ah, c'est limité! Non! Dommage. Ah, c'est peut-être. Ah ouais, c'est quelques secondes. Bon, dommage. Dommage, je pensais que c'était plus long. Ah ouais, l'effet. Dans le deuxième étage, mais Naruto. Oh. Le deuxième étage, je pensais faire une tour, mais bon, ouais, t'as raison. Néo, ouais. Regarde maintenant comment ça fait mal aux yeux, mon truc. J'ai fini seul. Ça fait hyper mal aux yeux. Pff, mais Swan, tu nous fais quoi là? C'est pour que je devienne aveugle, c'est ça? Non, en fait, c'est pour. Ah, c'est vrai, ça fait mal aux yeux. Hein. C'est un grand bâtiment en fait. Invisible. Bah oui, le principe c'était que tous les mobs que je peux toucher, je peux les rendre invisibles. Mais là, le souci c'est que c'est-à-dire que quelques secondes, donc il est invisible. Ça aurait été stylé, hein, le projet aurait été sympa, mais bon, voilà, c'est mort, hein, dommage. Bon, je suis un peu deg, et bon, c'est pas grave, voilà, y'a pas de soucis. Hein. Oh, y'a encore des verres là. Ils vont quand même pas aller dans ma base, ces verres. Moi, je peux peut-être transformer les mobs de Swan invisibles, vous voyez.
C'est un fruit qui est quand même vraiment pas nul, je trouve. Hein. C'est un fruit très basique, Paramecia. Il est pas. Voilà, il le compte pas trop, mais pourtant il est utile. Hein. Après, il est plus drôle en serveur. Hein. Les mobs, ils peuvent te voir, je crois, avec. C'est le seul défaut. C'est ça, en fait, qui le rend nul, le fruit. Mais bon, il a un potentiel, quoi. Trollswan, ouais. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est pour bientôt le petit troll à Swan. Hein. Venez, on va mettre le plafond ici. Donc là, je vais mettre un étage, puis après, je ferai une tour. Voilà. On mettra Naruto ici si vous voulez. Hein. Est-ce qu'il a disparu? Non, ouais, il reste là, parfait. Attends, je vais faire un sol et on va mettre Naruto ici. Vous l'avez demandé, donc venez, on va mettre Naruto après, il n'y a pas de souci. Alors, Naruto, c'est un mob puissant, je tiens à préciser. Mais Swan peut le battre quand même, je pense. Avec un peu de mal, Swan peut le battre, en vrai. C'est pas comme le Sulfadrome qui est hyper puissant. Le mob Naruto est fort, mais Swan a ses chances de le battre, quoi, vous voyez. Avec le stuff qu'il a là, parce qu'il est full émeraude, il a une bonne épée. Merci Porsche pour ton 2€. Tu joues plus à Apex? Ben, non, plus trop, moi, honnêtement. Ben, ouais. Yoneo, je t'adore, merci, ça fait plaisir, hein, merci à tous. Oui, Naruto, ah ouais, je vois que vous êtes chaud. Vous inquiétez pas, on va le mettre ce mob. Vous êtes quasiment 6000 sur le live, c'est énorme, merci à tous. C'est très plaisir, merci de me suivre, voilà, pour ce petit live fort sympathique qui est Minecraft. Mais pourquoi il y a des verres partout ici? Vous savez, dans ce mode Minecraft, on a aussi le fruit du phénix. Donc ça permet de se transformer en phénix et de pouvoir voler. Et c'est un fruit extrêmement puissant. Donc voilà, je vous l'ai pas dit, donc je pense que si je l'avais dit, vous auriez bien voulu que je le mette. Bon, trop tard, on a pris l'invisibilité. Et puis Swan a un fruit pas trop puissant, donc on va faire pareil. Merci Coco Gaming pour ton 5€. Trouve le moyen de prank Swan, s'il te plaît. Vous inquiétez pas, y'a pas de soucis. Hein. Pour l'instant, il est en créatif, donc je peux pas le pranker. Hein. Mais après, on le prankera, vous inquiétez pas. Oh, j'en ai marre de ces verres. J'aime pas aller dans la base. Hein. Attendez, je veux juste voir un truc. Y a tous les insectes. Ouais, bon, dommage. Dommage, hein. Oh bah Swan, bah Swan, viens Swan. Ah, j'ai... Non, Swan, viens, on te demande. Mais... Team des poules, ouais. Allez Swan, on te demande là, viens. Ok, c'est bon. Voilà, y'a petit Swan, il est là. Vous l'avez demandé, Swan, regardez. Donc, Swan, c'est une église, voilà. Son truc. De quoi? C'est une église, son truc. Une église. Oh là, il me respecte pas ma base, moi. Attends, je peux voir un petit peu. Bon, voilà, y'a petit Swan. Ouais, simplement. Ce qu'il veut un peu regarder ma base, c'est ça? Tu veux regarder un peu? Pas mal. Mais chose, hein. J'ai vu une barre de vie. Attends. Non. Mais... Donc voilà. Bref, Swan est en train de préparer sa base juste à côté. Mais donc Swan... je comprends pas où en fait, où est la sortie. Peut-être en dessous, je sais pas. Tu verras, mais... tu verras. Bref, voilà. Il y a 6 Swan qui est juste ici, voilà, bref. Bref. Je l'ai pas respecté. Swan est en pleine préparation de sa base, hein, y a pas de souci, voilà. On va installer ça. Voilà, c'est pas très esthétique, mais bon, c'est utile, quoi. Donc voilà, on va faire le deuxième étage. Vous avez des idées pour installer le mob Naruto? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Oh, vous êtes 6000 sur le live, c'est énorme, merci à tous. Alors, comment je fais? Oui, Swan, vous inquiétez pas, Swan revient, là. Alors bien sûr, cette épée, je la prendrai pas pour le live, hein, parce que sinon je bats... Enfin, pour le combat, parce que sinon je bats Swan en un coup avec. Hein. Je prendrai cette épée-là qui est moins puissante, vous voyez. Donc, 750. Ok, 31, voilà. Prends celle-là, je prends celle-là, c'est bon, t'inquiète pas. Mais t'inquiète. Prends pas Epic King, c'est dégueulasse. Mais c'est bon, t'inquiète, je la prends pas. Comment ça va? Ouais, je te jure, bah, de toute façon, tu le verras, vu la taille de l'épée. Enfin, non, vu que je serai invisible. Non, mais c'est ça, mais on n'a pas le droit de prendre, au fait, c'est facile. Et aussi, attends-toi à avoir des fourmis hyper fortes dans mon temple, parce que j'ai toujours pas réussi à les enlever. Non. Hein. Ok, c'est trop bien en direct. Ouais, mon Naruto. Bah, dites-moi, oula. Comment vous voulez que j'installe? Comment vous voulez que je mette le mon Naruto? Je le mets dans quoi? Un enclos, une cage? Je fais quoi? Genre, il faut qu'il attaque Swan, hein, évidemment. Donc, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Voilà, je vous attends nombreux. Hein. Du coup, je fais un deuxième étage comme vous l'avez demandé. Merci Porsche pour ton nom, 2€. Ils vont bien, vos parents? Bah, très bien, ouais. Plaque de pression, ah ouais. Tu peux te transformer en Naruto. Faut pas abuser non plus. Vous savez que j'ai même pas téléchargé le mode Naruto. Hein. Là, il y a seulement deux modes. J'ai le mode hors spawn et le mode One Piece. Donc le mode One Piece et Naruto sont des modes très complets et vraiment très très bien faits.
En vrai, le mode hors spawn est mieux, honnêtement. C'est un mode d'une très grande qualité. One Piece aussi est très complet, mais il n'est pas encore terminé, en vrai. Il y a encore des mises à jour. Mais le mode hors spawn, ouais, c'est l'un des. C'est le meilleur mode de la version 1.7.10, je pense. Donc, dessus, on a le mode Naruto, enfin le mob Naruto que vous avez vu. Il y a plein d'autres mobs, hein. il y a plein de choses. C'est un mode extrêmement ouvert, il y a plein de choses. Genre, ça c'est hors spawn. Les blocs, vous voyez, hors spawn, ce bâtiment, et ça, c'est le bloc hors spawn, vous voyez. Il y a plein de choses. Enclos. Un enclos. Vous savez qu'il lance des boules de feu, donc on peut mettre un enclos comme ça, il pourrait lui tirer dessus à distance. C'est une bonne idée. Oui. Mais t'inquiète, pour l'instant, je regarde pas pour l'instant, on prépare pour le fight. C'est quoi, je vais faire deux échelles. Une échelle où il y aura Naruto et une échelle, tranquille, où on pourra passer dans la tour. Faudra juste choisir la bonne échelle, sinon on se détruire. Donc faudra que je mette plein de mobs ici. Ok, salut. Néo, salut Néo, merci, ça fait plaisir, merci à tous. Hein. Voilà, on fait la construction, on est bien, bref. Merci Ronnie pour 35€. Tu regardes ma vidéo en live contre 100. Salut, j'offre les masques. Ok. Vous jouez plus tard? Bah là, on prépare les bases pour s'affronter. Hein. Merci à Kevin, One The Game, qui m'envoie un don de 10€. Salut Néo, comment vas-tu? Bah ça va très bien, Kevin. Et toi, comment tu vas? Ça va, Marine va bien, ça va, y'a pas de soucis, tranquille. T'es en vacances toi aussi? Naruto. Oh, vous inquiétez pas, on va installer Naruto. Hein. Pas de soucis. Au niveau de la profondeur, est-ce qu'on est bien là? Oui, on est bien là. On va mettre le toit. Hein. On va mettre le toit. Bref, c'est laquelle l'entrée piégée? Là, ça va pas être l'entrée piégée. Ça va être la bonne entrée, vous voyez. Donc, on va boucher. On va condamner cet endroit comme ça. Voilà, avec un petit chemin. On continue. L'autre sera pour passer. Voilà, tranquille. Et par contre celle-là, ce sera l'entrée, n'est-ce pas? Donc voilà, là on bouge parce qu'il n'y a pas d'issue. Voilà. Il n'y a pas un système pour que ça ferme automatiquement là après? Je sais pas, dis-moi autre chose. Intéressant Swan. Salut. Coucou, comment ça va? Salut Naruto, ouais, on va mettre Naruto là, y'a pas de soucis. Je vais mettre plusieurs Naruto, sinon ce sera pas assez, vous voyez, pas assez puissant. Ce soin, il a quand même une armure en émeraude, hein. C'est pas nul, hein. C'est plus que le diamant. Donc, Swan, est-ce que tu vas un peu utiliser ton fruit du ressort? Tu l'as mangé là? Montre-nous dans le... Montre-nous pour que le chat voit ce qu'il fait. Quand je me rapproche de toi, tu vas nous dire ce qu'il fait. Regardez, je vous montre juste le fruit du ressort pour Swan, vous voyez. Donc regardez, là il y a petit Swan. Nous sommes fruits du démon. Oula. Attendez, je t'ai perdu de vue. Hein. Ah, il est là, regardez. Il peut faire des gros sauts de ressort. Donc là, il va être déconnecté vu qu'il va partir dans le ciel. Il prend pas de dégâts de shield. Voilà, magnifique, vous voyez. Bon, là, il est en créatif. Regardez, refais un saut. Non, il vole donc ça compte pas, mais. Regardez là, il saute super haut en fait. Donc là, il vole pas là. Hein. Là, il fait juste des sauts très très hauts grâce au fruit du ressort. Il va être éjecté de la map là, c'est obligé par contre. Ah non, non, vu qu'il est en créatif, il peut pas être éjecté. Bref. Oh, non. Salut Swan. Vous voulez que Swan revienne? Dites oui dans le chat si vous voulez qu'il revienne. J'ai bientôt fini mon château, hein. Je suis pas très loin. On se rapproche du but si vous préférez. Donc, il n'y a pas des spawns, parfait. Ça aussi c'est très une bonne qualité, il despawn pas les mobs, vous voyez. Ok, là on va continuer le truc là, voilà. Bon, j'aimerais bien descendre. Voilà. Ok. What? Attends. Ah oui, donc ça c'est le bon chemin. C'est l'autre où c'est condamné. Ok. Oui, Swan, viens, on te demande, Swan.
On t'appelle très nombreux, Swan, est-ce que je vois, hein. Voilà, il y a petit Swan, juste ici. Salut, comment ça va? Moi, ça va très bien. Swan, il a bien amélioré sa base, là. T'es près du but, Swan? Oui, enfin, là, je suis en train de faire toi, alors oui. Ok, il est près du but. Mais c'est pas ma base ultime, hein. C'est pas ma base ultime. Ok, tu fais plein de bases. Bref, on est bientôt prêt. Enfin, bientôt prêt quand même, encore beaucoup de préparation. Mais on se rapproche du but pour faire le méga fight. On fera peut-être plusieurs rounds si on survit, hein, vous voyez. Ok, il part déjà, bref, voilà. Vous l'avez eu quelques secondes. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait de cet endroit du coup? Est-ce qu'on va mettre des vitres décoratives déjà? Ou enfin des blocs décoratifs? Oh, merci à Kevin qui m'envoie un don de 20€. Attends, il me donne un conseil. Alors Kevin qui est très fort à Minecraft aussi. Pour construire plus rapidement, tu peux mettre dans le chat fille, après tu mets des coordonnées du point, et après tu point B, et après tu mets le nom du bloc en anglais et tu fais entrée. Ah oui, je connaissais cette technique. Effectivement, bah merci pour ton conseil. Après c'est un peu chaud parce que tu vois les coordonnées. Faut vraiment que ce soit précis. Mais merci à toi en tout cas, merci Kevin pour ton conseil. Vas-y, faudra que je m'entraîne, hein. Ça fait très plaisir. Ouais, n'hésitez pas à me donner des conseils, hein, pour les constructions, pour construire plus vite. Kevin qui vient de faire, là, c'est très sympa, merci à toi. Grosse dédicace, hein, c'est très sympa, merci beaucoup. Donc on fait pas de cage, on fait juste un enclos, ça vous va? Un enclos en truc de nether, voilà. Alors, je regarde, hein. C'est où les barrières? Est-ce que c'est moi qui suis aveugle ou je vois pas les barrières là? Je pense que je suis aveugle, non? Oh, Néo, merci. Néo? Oui. C'est bizarre, en fait, j'ai l'impression que les fourmis spawn. En fait, ah, c'est là? Ah, il y avait pas beaucoup de barrières à l'époque, quand, c'est vrai. Quand je tue toutes les fourmis. On est sur une n'oubliez pas. Mais est-ce que tu m'écoutes? Oui, mais si je parle trop longtemps. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Attends, bon, on va déjà mettre les QB, voilà les mobs Naruto, juste ici à côté. Comme ci, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Néo, bah salut à tous. Merci à Nelwyn qui m'envoie un don de plus de 30€, merci. Est-ce que tu joues toujours à Fortnite? Je fais des lives tous les jours sur Fortnite. C'est quoi cette question? Bah oui, évidemment, je joue tous les jours à Fortnite. Sauf le samedi où je fais un live avec Swan, voilà. En tout cas, merci pour ton nom, c'est très plaisir, grosse dédicace. Merci Elsa Souhaite pour ton 2€, tu peux me faire une pub pour ma chaîne. C'est Kit de Chat. Ouais. Bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Kit de Chat, voilà, simplement. Bon, on va juste faire la barrière ici, on va vraiment bourrer l'endroit de Naruto, là. Voilà, on va en mettre plusieurs. Bon, ça fait un peu brouillon, hein, je suis d'accord. On est moins sur de la perfection là, on est d'accord. Mais c'est pour le petit piège, vous comprenez? Bon, ok, c'est moins beau, mais bon, voilà, c'est comme ça, écoutez. Il pleut. Je suis content de les avoir installés avec le rebord. S'il pleut trop, vas-y, si tu veux, je peux mettre un. Il pleut? Non, il pleut pas. Ah, si. Non, il pleut. Il avait peur. Au revoir. Salut. Bon, voilà, j'ai mis les mobs Naruto du coup. En voilà. Est-ce que on peut leur changer leur nom par contre? Ah oui, regardez, je peux leur mettre des noms. Bon, on les appelle tous Bibi, hein. Je sais pas. Donnez-moi un nom pour les mobs Naruto. On les appelle Bibi ou on leur donne un autre nom? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Je vous attends à nombreux pour votre réponse, tout simplement. Pour l'instant, j'ai fait un peu la décoration. Je vous attends dans le chat, hein. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est bon, on en a assez, hein, des mobs. Naruto. On les entend bien, hein. On va pas faire ça, on va faire ça. C'est pour céder, on va dire. Non,
Oh, ça a bientôt fini. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Yo, comment on leur donne quoi là? Bibi, Bibi. Ah ouais, bon. Ouais, on va remettre Boruto, ok. On remet Bibi en vrai. Là, vous êtes chaud, donc on va mettre Bibi, hein, écoutez. On remet Bibi, voilà, hein, tout simplement. Ouais, il y aura des frères jumeaux, effectivement. Bon, écoute, on va rester là-dessus pour ces blocs, hein, c'est bon. Tu me vois faire ma magnifique déco? Merci. Oh, comme il est méchant! Voilà, on a fait un truc plutôt stylé en vrai. Ok, on va tous les appeler Bibi, y'a pas de soucis. Bon, je sais pas, je. Attendez. C'est pas complètement parfait. Voilà. Comme ça. Ouais, là, c'est, ça rend bien. En vrai. Ah, je suis sérieux. Voilà. Bibi, ouais, on va les appeler Bibi, hein. Bon, c'est pas mal, on va dire. On va dire. Et on peut faire mieux, mais bon, voilà. C'est déjà pas mal. Pour un début de château, franchement. J'ai à peu près tous ces affaires Bibi, vous voyez, comme ça. Enfin bref, voilà, on est quasiment prêt pour notre fight final, hein. Je veux pas acheter des trucs là, qu'est-ce que vous en pensez? Merci à Netwin Marchand pour ton don de 22€, c'est plaisir. Est-ce que j'ajoute des choses là? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Je vais faire un... je vais voir un truc. Ouais, je sais ce que je vais faire. Ouais, je vois que j'ai une... donc je vous aurais donné, ok. Voilà, donc là, ça va être la tour finale. Voilà, sur là, bon. Est-ce que je mets vraiment des trucs très spéciaux dedans? Je sais pas. Je vais mettre ça. En vrai, moi, je me rapproche du but, hein. On n'est pas très loin. Salut Naruto, Naruto. Est-ce que vous avez une idée pour le premier étage? Qu'est-ce que je peux mettre comme piège, comme mob pour le premier étage? Dites dans le chat, hein, pour vos idées tout simplement. Là, il y en a deux. Allez, je vous attends en tout cas. Voilà, là on termine le château. Ça plaît pas ça. Ah, bon, j'ai terminé mon truc. Oh, c'est bien ça, bravo. Ça a terminé sa base. Wow. T'aimes bien? Oui, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir en tout cas, merci. Ne spoil pas, hein. N'y va pas. Te spoil pas. Un autre piège. Ouais bah un autre piège, ouais merci. Connexion excellente, non y'a pas de bug, c'est bon. TNT, ouais. Voilà. C'est pas mal. Là voilà, j'ai quasiment... Là on a fini le château en vrai. Maintenant il manque plus qu'à racheter des trucs, vous comprenez. De la lave. Bah bon, je sais pas trop, hein. Faut que je survive en même temps, hein, pour l'attaque, vous comprenez. Mais quoi, vous avez des idées? Wither. Merci Netwin pour ton nom de 17€. Quelle est la meilleure rencontre? Je sais pas.
remettre. Hein. L'Under Dragon, ouais, faut pas abuser. Vous savez que je peux même le faire spawner, hein, regardez. Attendez, il est où? C'est ça, voilà, l'Under Dragon. J'ai des œufs dans un dragon au calme. Witherstorm, ouais, c'est bon, on va se scanner. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais casser quoi? Mais non, mais arrête, il est insupportable lui, hein. Pars de ma base, dégage. Golem de fer. Mais ils vont pas l'attaquer, le golem de fer. Enfin, s'ils les tuent pas, ils vont pas l'attaquer. Labyrinthe. Ah ouais, peut-être un labyrinthe. Pas bête, pas bête. Un labyrinthe, genre ici, vous voyez. Pour réussir à atteindre des endroits. Bon, c'est chaud, hein. C'est du boulot, mais c'est une bonne idée. Franchement, l'idée du labyrinthe, ça me déplaît pas. Ouais, en vrai, c'est un peu trop de boulot. Ouais, là, je sais pas. Portail. Ah ouais, un portail. Teaser. Coller de lave vers l'entrée. Voilà, comme ça. Oui. Pas devant moi. Dans ta base, si tu veux. Tu peux le mettre dans ta base. C'est un gros verre. C'est un gros verre. Ouais, la faucheuse. Bah, des blocs invisibles. Blocs invisibles. Je cherche des petits trucs. Ça peut être pas mal, ça, en vrai. T'es niveau, ça va être ouais, tranquille. Tu vois, là, ça peut être. Genre, lui, ça peut être le gardien. Là, j'ai un basilic. Vous en pensez quoi? Est-ce que je mets un basilic comme gardien? Oui, il est parfait, on va l'appeler Bibi lui aussi. Ah, regardez, ça a marché, il s'appelle Bibi. Ouais, Bibi. Non, lui on va l'appeler saucisson. Voilà, le basilic, on va l'appeler saucisson. Oui, moi je l'appelle saucisson en direct. Je trouve que ça lui va trop bien. Oui, voilà, saucisson, parfait. Oui, fourmi. Bon, j'ai fait spawner un basilic. Bon, est-ce que vous trouvez ça bien? Mettez oui si vous aimez bien. La mirate en bloc invisible. On n'a pas de bloc invisible. Si on a des blocs invisibles. Peut-être, peut-être. Je regarde. Oh. Non. Non, j'ai une idée, mais... de génie. Mais Swan, j'ai la meilleure idée au monde, là. Non, mais voilà, je peux... Attendez, c'est un peu dur là. Et bon, ceux qui ont compris ce que je voulais faire là, voilà, parfait. Déjà, j'ai mis ça. Ah bah, j'ai dit que mon créateur qui est dépassé ma base. Il passe vraiment ta base. Ouais, je vois pas pour l'instant, bref, c'est pas grave. Oui, oui, saucisson. Attends, il est génial, saucisson, c'est mon pote lui. Génie. Moi j'aurais dû y penser tellement avant. Oh non, il essaie de sortir.
What? Attendez, il est empoisonné par quoi? Oulala, je... Non, je bug. Oh non, désolé. T'as fait quoi? On a un arbre géant. Mais t'es sérieux? Mais il a tout fait cracher. Mais oui, tu m'as fait cracher, mais non. Attends, juste... Mais il force, gros fort. Il vient de faire spawner un arbre géant. Attends. Il est content, il a fait bugger tout le serveur, voilà, c'est bien Swan, non mais ça, tu préviens au moins. C'est une blague. Et c'est bien quand même, non? Non, c'est pas bien. Merci Néloïne Marchand pendant de 1€. Mais tu me préviens, mais c'est une blague. Attends. Ah j'adore ça moi. J'adore l'arbre géant comme ça, c'est bon, ça, ça fait aucun dégât avec des gérés. C'est un gros forceur. C'est juste un arbre géant, rassure-toi. J'espère que ça a pas fait perdre mes sauvegardes. Oh, attendez, c'est... Oh non, je vais mourir. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est pas grave, c'est ma base, mais... Parce que je spawn en survie. Toi, t'es vraiment très... Je vais rien dire. Mais tu m'as fait cracher mon jeu. Oh, sans blague. Un arbre qui fait plus de 1000 blocs, c'est sûr que ça va cracher le jeu. C'est bien connu. Bon bah saucisson, tu m'as tué hein, je sais pas. C'est moi qui me suis mis, ça m'a mis en survival automatiquement, c'est joli. Ah bah désolé. Un portail. Non mais j'ai une idée là. Bah je te la dis pas. Alors attendez, on va mettre notre armure, enfin tout bazar, vous comprenez. Est-ce que vous avez compris ce que je pensais faire là? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez compris? Voilà, je vous attends dans le chat. Il y a saucisson là qui garde. Il est nul saucisson? Bien sûr. Il va détruire saucisson, tu vas rien comprendre. Avec ton arbre là, non mais. Non mais il force, regardez ce qu'il a fait spawner, c'est normal là comment je lui crache aussi. Bah c'est génial, non? Mais Swan, en plus c'est même pas à côté de ta base. Mais pourquoi tu l'as fait spawner? Non non, mais de quoi non? Ah ce que j'ai fait là? Mais arrête là, mais... Désolé. J'ai tout lui confisqué en objet là, j'en ai marre. Ah désolé, j'ai fait spawn de ça. Ouh, il m'énerve. C'est lui qui me troll là, non mais c'est une blague, mais qu'est-ce qui... Regardez mon pauvre château. Ah t'es content maintenant hein, regarde ce que tu nous as fait faire là. Il vient de faire apparaître un donjon de monstres hyper énorme là. Un arbre de 1000 blocs. Mais quoi, c'est vrai, regardez la taille de l'arbre. Regardez, même là je suis même pas au maximum de la hauteur de l'arbre tellement il est immense. Il fait la limite des blocs l'arbre. Regardez, il fait la limite des blocs, il est immense. Là je suis à la... Regarde, il a fait spawner ça. Il avait spawné une tour de monstre énorme. Il est sérieux, lui? Il est parti. Mais je suis parti parce qu'il m'énerve. Supprime. Comment je fais pour supprimer? Dites-moi dans le chat. Vous avez des idées pour faire supprimer ça, là? Il force, vraiment. Oh. Bah, tu sais pas, c'est aléatoire, donc... Bon, voilà. Je me sens tellement nul à côté. Regardez mon petit château sympa, là. Bon, c'est pas drôle, à des spawns. What, ça fait mon c'est pas drôle, il est disparu. Bon, bah salut. Non, Néo, calme-toi. Pourquoi? Mais regardez ce qu'il a fait. Oh,
Au pire, regardez ce qu'on va faire. Déjà, on va casser les spawners, comme ça il y aura moins de monstres. Donc c'est une tour de monstres, ça. Donc c'est une tour qu'on trouve dans des dimensions qui est clairement redoutable. Et là, on a des T-Rex, vous voyez. Donc voilà, c'est des tours extrêmement dures, hein, évidemment. Là, on passe à quoi? On passe aux dinosaures. Bon, moi, je leur présente la base. Voilà, ils sont contents comme ça. Voilà. Ouais, faut que je mette la pluie. Cut, ça veut dire quoi, cut? Ça fait quoi, cut? Dis-moi dans le chat ce que ça fait. TNT. C'est en bedrock, hein. Puis ça va tout faire bugger. Quoi? C'est bon, je l'arrête la pluie, moi. Je sais pas mettre de la TNT. Ouais, bien sûr, regarde, je vais mettre de la TNT. Ça va faire beaucoup de dégâts, hein. Ouais. Bah déjà, casse tous les spawners, Swan. Pour te faire pardonner, tu casses tous les spawners, ok? Tu regardes toutes les bestioles volantes qui viennent. Couper. Non, mais je sais pas trop, j'ai peur cut, là. J'ai peur que ça fasse autre chose, hein. Fait tout exploser. Mais c'est en bedrock. La bedrock, c'est incassable. On peut pas le casser avec de la TNT. Bon, attends, je vais enlever tous ces items. Ça fait spawner beaucoup de choses. Bon, du coup, ça a évidemment bien avancé son château, hein. Pendant ce temps. Swan veut ta rage. Ouais, je vois ça, hein. Je vois ça, ouais. C'est parce que je veux. J'ai bien mangé, vous allez voir. Non mais t'as pas fait exprès. Dis-moi dans le chat, ça s'est pas fait exprès, vous allez me dire. Bah, cut veut dire couper. Hein. Non, sans blague. Bon, écoutez, voilà. Du coup, faut que je regagne mon fruit, là. Oh, Thibaut Jaillet qui m'envoie un don de 50 euros. Au calme. Sans commentaire, ok. Eh ben merci beaucoup, Thibaut. Gros dédicace à toi, ça fait hyper plaisir. Énorme. C'est hyper sympa. Merci, hein. Grosse dédicace à toi. Voilà, grosse dédicace, c'est hyper plaisir. Tu bugs. Ah ouais, il y a des petits bugs là, je vois ça, ouais. Ah, oh, vous êtes quasiment 6000 sur le live, c'est énorme, merci à tous, hein. Ouais, merci. Il y a encore saucisson. Bon, c'est bon, Swan. Bah, tu les casses tous. Bah non, tu dois t'excuser, donc tu les casses tous. Tous ceux qui sont sur les côtés, à tout. C'est ta bêtise, donc tu répares. Oui, mais c'est ce que je fais. Le micro, vous m'entendez mal? Oui. Est-ce que ça marche, là, genre, si je lui mets le name tag? J'avais pas le nommé, lui, c'est fou. Comment on le tape déjà? Comme ça? J'en ai pas fait. On peut pas... Ah si, je l'ai mis là. Ça a marché. Là je l'ai mis. Non, là je l'ai mis le name tag, obligé. Là celui est mis. Voilà, il y a le basilic. Bref, je vais juste faire un test. Et moi, je vais avoir fini ma base quasiment. What? T'as fait quoi? Je suis allé un tour. Il y avait des T-Rex et j'ai été téléporté en dehors de la salle. Bah, ça a dû bugger. Tellement t'as mis de trucs. Merci à Nelwyn Marchand qui m'envoie un don de 22 euros. Ça fait trop plaisir. Merci avec un petit smiley. Epic fail. Ouais. Merci, que ça a été plaisir. Bon, bah, Néo, bah là, je pense que c'est. Attends. Néo. Merci, ça fait plaisir. Je vais juste vérifier un truc. Bref, on va prendre des trucs d'invisibilité, hein. Enfin tout le bazar, vous connaissez. Bah tu l'es. C'est sûr, c'est des gros boss, hein. Bah avec une épée. Bah, ah ouais, génial, ça marche mon. Ouais, ma tactique marche, parfait. Parfait, écoutez. Genre, là il va passer, il va se dire allez j'y vais, c'est parti.
Et là, il va être malade. Et là, il va bien galérer à le fight, le basilic. Ok, c'est bon. Moi, mon truc va bien marcher là, parfait. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant tout en haut? Voilà. Ça va être la fin du coup. Et qu'est-ce que je fais en haut? Dégage ça. Bug. Non, c'est bon, la connexion est excellente, y'a plus de bug. Tu finis à quelle heure? Il est quelle heure? Ah oui, il est 23h en vrai. Bon, c'est un peu tard, mais bon. Bah, je finis quand on a fini nos fights, tout simplement. Hein. Y'a Swan là, qui termine les scorpions. Attends, t'avais quelle épée, Swan? Il avait l'épée la plus puissante du jeu. Non, t'inquiète, non, mais ce qui me surprend surtout, c'est qu'il a résisté à l'épée de King. Il y a des T-Rex et des dinosaures en haut, si tu veux. Bombi. Mais de quoi Bombi? Regardez, c'est magnifique. N'est-ce pas magnifique cette construction, alors? Mettez une note sur 20 à mon château, du coup. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est vraiment complètement fini, là. Faut que j'ajoute un truc ici, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais m'équiper. Fan, faut qu'on se prenne de la nourriture aussi, hein. Oui, je sais, mais là, je débarrasse tout. On se prend des burgers, ok? On a un truc nourrissant quand même. Oh, la pizza, venez, on prend la pizza. Mais c'est trop bizarre. J'ai une seule de pizza, c'est pas des items 120. Ah ouais, merci. Ah, vous aimez bien ma base, ça me fait plaisir en tout cas. Merci à tous. Hein. Bah, moi aussi, j'aime bien. Donc, Swan, pas le droit aux pommes d'or du coup, et on va se prendre des poulets grillés. Voilà, c'est. De la team, ouais. Tiens, je te donne un stack de poulet grillé. Oh, merci à Marine qui m'envoie un don de 10€. Salut Néo, juste pour te dire que Kevin aimerait bien que tu ailles sur le serveur Minecraft qu'il a créé. Son serveur, c'est KevK69 dans Minecraft Wilm. Bonnes vacances de Pâques et profitez. Et bah, merci Marine pour ton don, c'est très plaisir. Et Kevin, bah, y a pas de soucis, viens. Si on prend un petit temps pour ensemble pour aller sur son serveur, bah, maintenant que j'ai le code, vas-y, je le marquerai. Et je me connecterai à ton serveur. Je pense que je le ferai peut-être ce soir, hein. Vas-y, y'a pas de soucis pour voir ton serveur ce que ça donne, simplement, ça fait plaisir en tout cas. Merci, merci beaucoup. Swan, t'es là? Viens, je te passe un stack. Néo, on a réussi. Parfait. Attends, donc j'ai jeté l'épée de King. Ah, merci pour OneNote, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Attends, tu l'as jeté là? Attends, j'ai. La jette pas, mais détruis-la. Vu que t'es en créatif, tu peux la détruire. Oui, j'ai détruit. Swan, mais descends là. Attends, brûle l'arbre. Si je le brûle, il y aura trop de bugs, hein. L'arbre est tellement immense que ça va tout faire bugger, c'est pour ça que je le brûle pas. Bah, surtout le brûler, ça va prendre énormément de temps. C'est pas le problème, ça, franchement. Ça brûle vite, non. Mais il est tellement immense que voilà. Bah, pourquoi faire du mal? Ouais, c'est une pizza qui a spawné. Bon, Swan, je t'attends. Attends, merci, Mega Pro X, pour ton nom de 1€. Bon, tu peux descendre là? Est-ce qu'il est lent, Swan, franchement? En fait, tiens. Tu les as pas perdus, hein? Comment Swan a réussi à récupérer les poulets? Comment va-t-il faire? Où tu les as cachés? Ah, c'est bon. Merci. Merci à tous, 20. Yo, merci beaucoup. Attendez, c'est pas fini, hein? J'ai quasiment fini en vrai, hein. Attendez. Je vais devoir un petit dernier truc que je peux ajouter quand même. Il y a combien de blocs? On a 6. Non, 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 on prend pas beaucoup de stuff en vrai. Là, j'y mets de la hauteur. Voilà. Comment je fais pour le prendre? What, il est buggé? Attendez, si je le mets là. Voilà, ça passe quoi. Non, ça me fait descendre par contre, c'est très mauvais signe ce truc.
C'est un peu... C'est pas évident à contrôler en vrai. Merci Mega Pro X pour ton don de 1€, c'est plaisir. Des squelettes en haut. Des flèches. Squelettes en haut, ils vont me tuer, hein. N'oubliez pas que je suis dans la base moi aussi, hein. Pendant un long moment quand même, hein. J'ai juste pas en bas quoi, mais bon sinon. Bon ça je peux cacher. Oh je peux casser. Je peux cacher. Je peux pas parler, hein, c'est pas de ma faute. Le confinement, ouais ça va tranquille. Bon écoutez voilà, on a fini nous, on est bon. On a fait demain, oui Marielle. Le confinement, le bruit. Est-ce que c'est fort? Ok bref voilà, on a fini le château, il est terminé. Voilà, j'ai fini mon château définitivement du coup. C'était long mais on l'a fait, voilà regardez. On a nos douves qu'on voulait, les petits pièges, le basilic, Naruto, la hauteur. On a tout terminé. T'as ton fruit du démon, t'as tout, c'est bon? Enfin, on doit se fight quand même au, à la fin. Hein. Bah que tu survives dans chaque truc. Faudrait qu'on arrive à se récupérer un item dans un coffre en fait. Ouais. Dans le coffre de l'autre, faut qu'on arrive à récupérer l'item. Donc Swan, l'item, ce que je trouve, c'est que ce soit, je sais pas... Une potion XP, ouais, au pire on fait ça. Hein. Ouais, bon, non, non, une potion d'XP, ça va très bien. Attends, c'est où les XP? C'est où les potions d'XP? C'est là, ok. Voilà, donc le truc c'est une potion d'XP, voilà. Swan, je te bosse une potion d'XP du coup. Donc Swan, GG, merci, c'est magnifique, Néo, j'adore, merci à tous, c'est très plaisir. On va pouvoir commencer le fight. Swan, viens, 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 te spoil pas, allez. Où es-tu? Je suis en haut. Bah, bravo. Voilà. Mais je suis là, mais c'est pas possible, waouh. Swan, je vais te passer ta potion d'XP, viens, mets-toi sur la plateforme qui est là. Bon, vu que t'as tout détruit là, n'est-ce pas? Mais tu viens? Où es-tu? Waouh, wow, c'est incroyable. Là, là, là. Je suis là. Faut être patient avec lui, hein. Je suis devant toi, juste en haut, devant toi. Waouh. Ah, c'est horrible. Fou, hein, vraiment. Merci Noé Mader pour ton 2€. N'oubliez pas mon Insta. Vas-y, faut que je t'ajoute. Et Laurie, faut que je t'appelle. Je suis sûr quoi. Bon, prends, mets un coffre et cache ton item. Du coup, c'est quoi ton château? Venez maintenant, on va regarder le château de Swan. C'est quoi ton château, toi? Mon château, en fait, c'est donjon que j'ai mis, les châteaux. Je vais mettre un coffre dans chacun. Attendez. What? Regardez, attendez, il y a des trucs intéressants sous terre là. Attendez, je... En fait, Léo, oui. On a le droit de casser des blocs de poser des blocs. Bah, j'ai cassé des blocs en fait. What? Wow, regardez, on a un double donjon. Ok, bon, je voulais juste voir, hein, désolé. Hein. Bon, ok, voilà. C'est juste pour le petit coup d'œil. Je voulais voir, c'est rare les donjons, c'est pour ça que je... Voilà. Merci Nelwyn Marchand pour ton don de 30€. Quand le prank pour Swan? Ah, le prank sur Minecraft? Bah t'inquiète. Y'a pas de soucis, ça va arriver, hein. Alors, merci pour ton don en tout cas. Bon, c'est quoi ta base du coup, toi? Léo, ma potion d'XP est quasiment impossible à récupérer, hein. Tu l'as mis dans un coffre, c'est bon? Oui, il est dans un coffre. Et ta base, c'est le truc qui fait mal aux yeux là? J'ai plusieurs bases en fait. Mais oh, c'est pas possible. Bah, c'est à dire en fait, les donjons, c'est mes bases quoi. J'ai pas fini de tout. Ce... Bah, dis-moi où est le coffre alors. Dans quelle base il est? Bah en fait c'est pas vraiment une base mais c'est plutôt un monument. Bah mais dis-moi l'endroit où il est quoi, enfin je sais pas. Parce que moi je... Il est dans mon château, voilà, tu aimes bien un endroit. Moi, le thème où il est c'est végétation. Mais non mais tu me dis, moi il est dans mon château, toi il est où? Mais c'est trop facile si je te... Moi il est dans ma base, machin, truc, 22, non mais dis-moi, allez, c'est pas facile. Bon, mais... En très haute hauteur.
Merci Alain Zo pour ton 2€. Oublie pas mon Insta. T'inquiète, faudra que je t'ajoute. Il est dans un arbre. Quoi? Ah non, il est là son truc. Attends, il est dans le gros coffre là, le double coffre. Bah, rien. Et non, il est pas dedans. Mais Swan, faut que ce soit atteignable. Faut pas que ce soit en hauteur. Faut que tu puisses le récupérer le coffre, oublie pas. Ouais, attends, je sais où je veux passer. Mais pas dans un arbre. Oui, mais j'ai pas passé ici. Tépais-toi à moi, mais viens à l'endroit où je suis. Moi je suis dans ta base qui fait mal aux yeux. Ah, il y a une entrée d'ailleurs à ta base. Oui, bah il y a une porte en fer, mais on peut pas y sortir. Je regarde. Attends, il y a une entrée là. On peut voir là maintenant la magnifique base de Swan. Voilà. Bah, Swan, ta potion d'XP, je la mets là, hein. Je la mets dans le coffre de ta base, ok? Vu que t'arrives pas à l'installer. C'est ce que j'allais faire, en fait. Bon, bah, jette ta potion d'XP, du coup. Attends, pas tout de suite. Si! Vous savez quoi? Swan, viens. Deux. On va faire le tri, parce que Swan, là, il m'a l'air très, très, voilà, pas organisé. J'ai mon château, mais là, Swan, voilà, c'est ça. Château de Swan. Attends. Donc, je vais me mettre devant, dans mon château. Je vais me mettre sur la tour, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Je fais n'importe quoi, c'est ma base Swan, pourquoi tu mets des coffres ici? Zoé. Mais il fait n'importe quoi, Swan viens. T'as mis des coffres où? À d'autres. Mais non mais non, viens j'ai juste mis... Dans la vraie vie viens. Ah ok. Swan, t'as mis des coffres à quel autre endroit? Juste ici. J'en ai juste rajouté ici. Ok, donc maintenant, tu viens. Ah c'est pas sérieux. Tu te mets là. Oui. Tu parles aux abonnés et je vais m'occuper de ton stuff parce que là. Tu dois avoir plein de stuff partout, c'est le bazar. Mais voilà. Non, mais non, je me suis organisé. Je te déteste. Je sais, ça va. Je me suis abonné. Néo, ah, ok. Pourquoi pas. Bon, t'as vu mon stuff du coup? Ça m'étonne que tu sois organisé. C'est la première fois que je te vois comme ça. Hein. Mais bon, s'il te plaît, est-ce que je peux retourner à mon PC en fait? Néo, dépêche-toi s'il te plaît. Ça y est, vous dormez pas? Non, pas encore. Trop bien. Je vais mettre en survival, ok? Ok, d'accord. Mais mets-moi un endroit sûr. Tu veux être où, Swan? Donc voilà, c'est bon. Voilà, c'était le temps que je m'occupe de Swan. Non, donc Swan. Je te dis quand je suis passé à mon endroit. Tu me dis quand t'es dans le bon endroit, comme tu dis, voilà. Pendant ce temps, moi je vais installer un coffre pour mettre mon truc d'XP du coup. Chest. Oh, regardez tout ce que j'ai. Chest décoration bloc, voilà. Ok, salut, bug. Non, ça va, y'a pas de bug. Vous êtes prêts pour le fight? Mettez oui si vous êtes prêts pour le fight, ok? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts pour le fight? Dites-moi dans le chat, je vous attends nombreux en tout cas pour votre réponse. Attends, t'es où toi? Mais Swan, tu dois être dans ton château en fait. Ah non, ah. Ah mais c'est impossible en fait. Parce que mon château il est protégé par des bobs. Mais le principe c'est que t'as un endroit où tu peux survivre dans ton château hein. Ah bah. Merci Nailwin Marchand pour ton don de 10€, ça fait plaisir. Oui oui, ok vous êtes parés. Bon le céphadrome il reste pas hein, je sais pas ce qu'il a. C'est bon, là je suis prêt. On va mettre autre chose je pense. Parfait. Oh, Swan, incroyable, il a fait quelque chose. Oh, je suis sur le toit de mon temple. Je suis pas content là. Bon, désolé, on va pas mettre le. On va mettre le Hammerhead parce que l'autre ça veut pas. Mais Néo. Oui. Bah t'avais qu'à bien t'organiser hein. Ah mais j'étais organisé. T'étais pas du tout organisé. T'as plein de bases partout, on sait pas où ça va. Tu mets un coffre chez moi. C'est ça que j'ai fait. On va l'appeler Jamie hein. Oui ok vous êtes chaud. On va commencer bientôt, vous inquiétez pas. Je fais juste les petits derniers préparatifs. Et on va pouvoir commencer ce fight. Allez on va l'appeler Jamie hein. Voilà. Petit Jamie. Voilà il s'appelle Jamie. C'est bon on a petit Jamie là. Bah l'autre gagne. Ah
on pourra reprendre notre fruit du démon si on veut. Ok Swan, t'es où du coup? Je suis sur toi. Merci la chou pour ton 2€. Oui, oui. Ok Swan, il est juste là. Donc déjà, on va mettre Swan en survie. Attends, je crois bien que ça met en survie aussi, donc on sait jamais. Je vais me poser là, hein. Donc, le principe c'est de récupérer la potion d'XP et de tuer l'adversaire, ok? Et le tuer aussi, hein, évidemment. Ça y est, t'es en survie, Swan? Oui. Ok! T'as de la nourriture, c'est bon, t'as tout? Oh, je suis trop impatient, je suis trop chaud, moi, vraiment là. Ok, c'est bon. Ça y est, je nous ai mis. Oui, oui, c'est bon, ça commence. Allez, ça commence, c'est direct là, écoutez, voilà. Il s'est tué dans sa propre base, hein. Aïe aïe. Ah, il y a une très bonne surprise qui t'attend, c'est ça? Donc, faut récupérer la potion d'XP et fighter le gars. Donc, là, la mission surtout sera de récupérer l'XP chez l'autre et après le fighter en fait, au final. Hein. Donc, vous voyez, les mobs ils peuvent me voir. T'es déjà mort? Oui. Oh, regardez, il s'est fait tuer par saucisson. Ouais! Mais tiens, c'est impossible de passer à porte. Il s'est fait tuer par saucisson. On est full émeraude, Swan. Mais émeraude, c'est nul. Mais t'avais qu'à prendre un meilleur fruit, hein. Je te l'ai dit, Swan. Mais il fruit, c'est ok, donc première défaite de Swan, du coup. Donc voilà. Premier round, c'est gagné pour moi. Enfin, non, pas gagné, juste à prendre la potion d'XP. Bon, voilà. Allez, je vais me mettre non, en. Mais triche pas. Quoi? Mais là, tu triches. Je triche pourquoi? Pour récupérer ton stuff et t'aider? Pour récupérer la potion d'XP, je veux dire. Je la récupère pas là. Ah, ok. Voilà, donc Swan est mort déjà. C'est le décès. Mais il est impossible pour le moment. Bah non, c'est juste qu'il est, il est fort quoi. Bon allez Swan, remets-toi et je... Hello, bon voilà, Swan est mort. Hein. Mais le céphadrome invisible, ouais mais il va disparaître. Enfin, il va plus redevenir invisible après. Bon voilà, du coup Swan est mort, 12 secondes. Swan, tu veux une armure plus puissante? Oui. On va se mettre... On va se mettre full uranium, vous savez quoi, voilà. Ça, le fight sera pas évident. Enfin, non, full uranium, c'est cheaté quand même. Hein. Mais non, c'est pas cheaté. C'est trop cheaté. Hein. C'est pas cheaté du tout, c'est normal. Non, non, on va se mettre full émeraude. Ça, ça suffit largement, full émeraude. Pour moi, non. Bah, full rubis alors. Ça change pas grand chose, mais d'accord. Ça change pas grand chose. Ouais, il connaît pas la puissance des armes, lui. Hein. Bah, t'es nul, c'est tout. Allez, TP-toi à moi. Swan est meilleur qui s'est fait tuer en 2 secondes, effectivement. Ouais. Mais je sais pas, comment on écrit dans bon, le chat? Reste ici. Rappelle-toi. Ça va, genre. Reste ici, vas-y, parle au chat, je m'occupe de toi. J'ai même pas envie de reparler. Mais sérieux, j'ai envie que tu m'écoutes, je veux de l'attention, et que tu m'aides un petit peu. Ok. Oh, c'est bon. C'est bon, j'ai TP Swan, vous inquiétez pas. Swan, tiens. Je te pose tout ton stuff que tu veux ici. Ah, c'est tout ce que tu m'as laissé, donc je te laisse ça, hein, voilà. Ça, il a fait un stack de flèches alors qu'elle est infinie, ça. Il est infini son arc. Trop fort, merci. Et j'ai gagné contre Swan pour l'instant. Bon, Swan, tu peux te mettre full rubis, moi je garde full émeraude, hein, t'inquiète. Voilà, Swan est mis sur rouge maintenant. Il est tout rouge. Salut Swan. Tu as quel âge? Bah, j'ai 15 ans, voilà. Allez, on peut compter un peut-être un 1-0. Et encore, Swan est mort comme ça. Tu veux me fight tout de suite, Swan? Swan? En fait, Swan, ce que t'aurais pu faire. Tu sais ce que t'aurais pu faire? Utiliser ton feu du ressort pour propulser tout en haut de ma base. Et être dans un autre passage. Bah, pour récupérer le coffre. Tu veux manger un fruit des démons, Swan, ou pas? Ok, Swan, il veut le fruit du feu, carrément. Ah ouais, direct. Ok, donc on va donner le fruit du feu à Swan. Swan, t'es où? Là, tiens. Ok, donc Swan va être le gars, du coup, il va pas... Les coups des mobs vont rien lui faire, donc voilà, il sera bien. Hein. Merci, Vivilter, pour ton 2€. Bonjour. Ok, là, Swan, c'est le retour de Swan, là.
Le retour redoutable. Là, ça va être plus serré. Méfie-toi, Swan, quand même. Hein. Tiens, tiens, Logia, mais méfie-toi du granit marin. Neuro Swan, ouais. Bon, pour l'instant, j'ai gagné. Hein. Pour l'instant. Bon, tu me dis quand t'es prêt, Swan, encore une fois. Hein. Pour le prochain round. Alors, je vais nous mettre tous les deux en survie. T'es bien positionné, c'est ça. Non, pas encore. Bah, je croyais que tu m'as dit que c'était prêt. Hein. Pas de dégâts des adversaires, non. À part quand t'es quand t'as le granit marin qui est à côté de toi, quoi. Bah t'es où? Je suis sur géant, là. L'arbre géant, au- mais pas au-dessus de ma base, devant ta base. Ah, okay. Mais tu te mets au même endroit. Désolé. Yo, salut à les Néo, tu le meilleur, merci, ça fait plaisir. Merci à tous, vous êtes 5000 sur le live, c'est énorme. Merci beaucoup, merci de me soutenir. Hein. Donc voilà, écoutez, là on continue. Donc là, Swan, tu me dis quand t'es prêt. C'est bon? Vas-y, je te mets. Ok, donc Swan, je vais lancer le départ, vous êtes prêts? Deuxième round, cette fois Swan, pitié, ne te fais pas avoir tout de suite. Je meurs pas tout de suite, ok? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Ça commence. Alors, comment ça va? Ah oui, ça va. Et pourquoi je ne rentre pas comme ça? Ouais, moi non plus. Oula, c'est moi qui me suis... Tu me vois? Oui, je te vois, Néo. Quoi, il me voit? Mais oui, tu n'es pas dans les îles, Néo. Oh, voilà. Ah, il voit mon pseudo, d'accord, ok, ok. Et je voyais ton armure et ton skin. Hein. Rassure-toi, Néo. Ouais, moi, moi. Hein. Bon, tu veux qu'on soit tout de suite en fait? Non, moi je vais aller récupérer l'XP, hein. Salut, je te laisse. Bug, non, ça va, connexion est excellente. Ok, donc moi je vais récupérer son XP. S'il arrive à trouver la mienne, et bah voilà, on pourra s'affronter. La terre est indestructible. Ouais, j'arrive pas à casser la terre. Bah, déconnecte-toi du serveur et relance. Non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Mais si, c'est hyper utile. Attends. Ok, j'ai récupéré les bottes de Swan apparemment, qu'il a... donc il en avait pas besoin. What? C'est résistant ça ou pas? Alors, en fait, je viens de me faire pâté. Toi, t'es mort? Ça va, c'est pas résistant. Ok, bon, moi je viens de récupérer la potion d'XP de Swan. Attends, quoi déjà? Voilà. Bon, maintenant il reste à me tuer. Je veux bien qu'on fasse un petit pas. Parce que là c'est équitable. Voilà, donc là je viens de récupérer la potion d'XP de Swan. Donc Swan, écoute. Wow. Swan, tu devrais peut-être pas récupérer la potion d'XP plutôt? Non, moi je vais t'affronter. Et après tu récupères ma potion, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ouais. Carrément quoi. Oh, il est fou, il a mis la grosse boule d'énergie là. J'ai le fruit de l'invisibilité. Non. Je me suis tué avec l'explosion. Je suis mort. J'ai droit de prendre des blocs. Bah ouais. Bon bah c'est un décès pour moi aussi finalement hein. Oh non, ah, je suis nul. Ici. Ah, ça c'est la tristesse hein. Je viens de décéder. Bon bah voilà. Swan, t'as plus besoin d'entrer dans la base là, je suis mort hein. Oui, je sais mais t'es où? Là, je suis. Et donc Swan est un fruit hyper fort en fait hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais on n'est pas dans la game, à quoi ça sert ce que tu fais? En fait, c'est pour mais c'est fini! Mais j'ai récupéré la potion en fait. Okay. Insupportable! Insupportable! Mais t'as voulu faire aussi! Mais c'est la fin de la game! Non! Ça sert plus à rien maintenant! Oh, venez, on va le détruire! Hein. Je te détruis, Swan, hein. Je suis désolé, mais. Quoi? Tu crois deux secondes que. Voilà ce que j'ai fait.
Ah non, c'est moi qui l'ai tué. Non, j'ai tué Saucisson. Je vais te détruire, Swan, je vais te détruire. Viens, viens. Oh, je vais te détruire, hein. En plus, il veut vraiment la récupérer, hein. Mais et soit c'est de la triche de tout te péter toute ma base alors que. Ah tu sais oh, j'ai testé Logia. C'est pas fini. Oh, mais détruit tout. D'où? Tu t'es skin. Mais d'où? Pourquoi tu t'es skin, Léo? J'en ai marre, mais. Pourquoi ça marche pas? Swan il a 9 ans. Mais Swan, pourquoi tu détruis tout? Bah en fait je voulais finir le truc quand même. D'accord. Ok, c'est bon. Il y en a marre de lui. Oui, attendez. Tu dors pas MDR. Et on termine comment Swan du coup? C'est qui a gagné alors? Non, y'a pas d'égalité là, y'a que du gros tricheur en fait. Non, mais en fait, je t'ai battu. De quoi? Mais. Tu continues? Bah, en fait, j'ai continué Donc, Swan, il va détruire toute ma base déjà. Hein. J'ai passé des heures. Il a détruit quand on commençait, on était même pas dans le jeu. Donc, Swan, du coup, TP-toi à moi. Yo. Bon, je vais bientôt arrêter le live. Hein. Swan, viens. Viens. Ah, okay. Viens. Viens. Oui. Allez, tu vas parler un peu à la communauté. Voilà. Oui. Vous avez vu comme j'ai trouvé Léo, c'était hyper drôle. Ouais, tu vas voir. Oh, sérieux, bah, c'était pour manger de. Enfin, me. Me manger. Me, voilà. Me manger de tous ces trous que tu m'as fait. Comme si c'était pas suffisant dans le live hors spawn. Enfin, infini, je veux dire. Bon Swan, du coup j'arrive pas à ta bouteille d'XP. Vas-y, je vais te la remettre. Merci à Adèle pour ton don de 5€ en stream. Ou bien win la carte. Ou autre, ok. Bref, Swan. Tiens, récupère tes armures si tu veux, y a pas de soucis, voilà. Récupère ton stuff. Non mais là vous voyez, il m'a énervé Swan. Là. OMG, bravo. Merci la show pour ton. Ton de 11€. Tu mérites 6 millions d'abonnés. Mais c'est la tienne. Bah passe-la moi là, allez. Passe-la moi. Allez. Je te la passe moi. Oh. C'est tellement long. Bon Swan, est-ce que tu es prêt? Pas encore. Pour le dernier round. Pas encore, gna gna gna. Je suis pas prêt. Au moins je peux te dire je vais être prêt. Regardez, tous dans le chat là. J'étais gentil au début, hein. Merci Nelwyn Marchand pour ton don de 4€. J'ai été gentil au début. Mais là, ça rigole plus du tout. Là, c'est le dernier round, Swan. Donc, tu n'as pas réussi à récupérer ma bouteille d'XP. Et on doit se fight, c'est ça? Tu vas manger quel fruit du démon, du coup? Cette fois-ci, je vais prendre aucun fruit du démon. T'es bête? Non, je vais prendre le fruit du phénix cette fois-ci. Le fruit du phénix pour Monsieur Swan, ok. N'oublie pas que si tu voles trop haut, tu te fais éjecter du serveur et tu meurs de chute, hein. Ok? Oui, je sais. Tiens. Bon, alors Swan, on se prépare du coup. Je prends une épée en. Moi, bon, je prends l'épée Nightmare, c'est ça, comme toi? Bah, oui, à ton avis. Alors Swan, j'étais gentil là, je peux te le dire, mais vraiment. T'es mort, Swan, en fait. Je suis désolé de te dire ça, mais t'es mort, quoi. J'aurais pu deviner moi-même, hein. Yo, salut. Là, c'est le dernier combat. Je vais détruire Swan. Pourquoi? Parce que là, tu m'as énervé. Il a détruit ma base. Mais on va pas dans ma base. On a même pas commencé, il va pas dans ma base. Non, mais c'est juste, j'ai
Tu vas dans ta base. Ok, d'accord. Bah, j'en ai pas vraiment de base, mais j'en ai pas. Mais. Ok, il a tout détruit, mais bon, c'est pas grave. On reste calme. Nous, de toute façon, on va l'exploser, hein, donc c'est bon. De quoi? Ouais, c'est quoi ça? J'ai donné un nom à mon boss là. Vas-y, donne-lui un nom, vas-y, y'a pas de soucis. Hein. J'ai donné un nom à Chouchou. Ah, voilà, c'est ça que je veux. Ok. Libération. D'accord. Ok. Je vous le dis, Alassane, il est mort. Hein. Tu as déjà dit 50 fois, pas besoin de répéter. Chouchou. Ah, chouchou. Voilà, je vais prendre seulement 4 attaques, mais Swan là, il est mort. Voilà. Je l'aurais dit encore une fois, parce que voilà, faut le dire. Ok. Je viens d'arriver, ok. Je t'ai tenté le boss, merci à tous, en tout cas. Je suis paré là. Swan, tu me dis quand t'es prêt. Hein. Il est où Swan? Donc là, on va devoir récupérer les bouteilles d'XP de chacun et se battre après. Salut Néo. Bon, là, c'est le dernier round. Est-ce que vous êtes prêts pour ce dernier round? Ouais, il est assez tard donc. Salut Swan et Néo. Salut. Bon, allez Swan. Viens, je vais le faire lui-même. Swan, viens, je vais préparer. C'était hyper long là. Mais je suis prêt là. Fais voir. Viens. Mais là, j'ai tout mes items. Mais là, je t'attends. Il y a 2 secondes, hein. J'ai 2 secondes pour me préparer, t'as vu? Ok, parfait. Ok. Mais t'es même pas dans la caméra. Oui. Ok, donc Swan. Déjà, voilà. Donc Swan, est-ce que tu es en survival maintenant? Oui. Est-ce que vous êtes prêt? Swan, ça va bientôt commencer. Alors, qu'est-ce qu'il fait mon truc? Bah voilà, c'est bizarre. What? Mais qu'est-ce qu'il fait ton fruit en fait? Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai fait mon fruit. T'as commencé ou pas? Mais qu'est-ce que tu... What? What? J'ai rien fait. Bah, tu t'es éjecté, c'est normal, vu que je t'ai dit qu'il y avait une limite de vol. Oh. Je te le dis, hein. Tu... Bah, tu reviens sur le serveur, allez. Serveur. Donc là, tu vas sauter, tu vas mourir. Enfin bon, je connais, hein. Bah non, j'arrive pas. Bon. Tu reviens. Déjà... Ah. Et voilà. Ah, oui. Et voilà, je te le dis. J'ai du poulet. Et je l'ai. Bon, tu es prêt? Tu vas devant ta base. Oh. Mais tu vas devant ta base, qu'est-ce que j'ai dit? Wow. Je vais dire merci, ça fait plaisir, mais là Swan. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? C'est pas possible. Mais c'est quoi qui en fait qui fait rien? Quoi? C'est bon! Là je suis devant ma base. 3, 2, 1, go! Ça commence Swan, fight! Prêt pour détruire Swan? C'est tout toi qui est prêt pour détruire, ouais. Ouais, ça fait plaisir, je peux vous le dire. Non, mais. Oh non, j'ai marché sur le granit marin. T'as oublié tes granits? Ice. Non, je peux pas faire ice age pour l'instant. What? Tu m'as fait quoi? Libération. C'est quoi? T'es mort. En fait, je t'ai mis dans un trou noir. Et voilà, c'est bon, on a tué Swan en 2 secondes. Voilà, mais Swan, je t'ai dit que je rigolais pas là, c'est bon. Je rigole pas. Deuxième fight, Swan. Ok. En fait, j'ai plus trop envie de jouer là. Il va te faire tuer donc il dit oh, la mauvaise foi, sérieux. Moi, bon, j'ai plus trop envie. En fait, j'avais pas préparé. Hein, mais. Donc là, regardez. J'avais pas fait base. J'ai fait des donjons cachés ma bouteille d'XP. On avait dit base, Swan.
Spammer, non. Regardez, voici l'ensemble fruit du démon le plus puissant. Le Yami Yami no Mi qui permet d'avoir deux fruits du démon, plus le fruit de la glace. Donc là, nous sommes sur l'ensemble le plus puissant du jeu. Voilà. Donc c'est... voilà. Bref, Swan, reviens. Pokéball, reviens. On va faire un dernier fight si tu veux, vu que t'es mort en 2 secondes. Ouais. Mais il est trop puissant, ton fruit. Ah bah tant pis, hein, t'avais qu'à pas embêter. Mais je t'aimais pas embêter, j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait, j'ai fait le challenge. Je pense qu'il devrait regarder un petit peu les règles. Les règles, c'est pas détruire la base pendant quand le jeu est fini. Vas-y, récupère ton stuff. Fini, tu veux un fruit du démon, Swan? Oui. Tu veux quel fruit? Du ressort. Ok, donc regardez. Vas-y, récupère ton stuff, Swan. Terminus, vous êtes pas fatigué vous? Bon, nous on est chaud, mais bon, après, si vous. Là, l'épée, devant. Et le stuff, et le reste du stuff est là, hein. Tu le vois? Tout le bazar, plastron là, c'est bon? Là, poulet. Attends, poulet. Là, je te les ai déjà jetés, hein. Ça va, ouais, tranquille. Bon, je vais mettre en créatif. Swan, poulet devant moi, hein. Bon, Swan, tu veux quel fruit du coup ressort? Tu veux pas un autre fruit plus original? Non! Non! Genre, il y a le fruit de la girafe, le fruit de. Tu veux quoi? Allô? Le même, mais le fruit du ressort, je l'ai dit trois fois! Allez, go! Ouais, on va bientôt arrêter le live, vous inquiétez pas. Allez Swan, est-ce que tu es paré? Oui, de toute façon je suis déjà en survival, alors oui je suis paré. T'es prêt? On doit aller récupérer les bouteilles d'XP de chacun et se fight. Oui. Je sais. Oh c'est bon oui. T'es prêt? Ouais je suis prêt. Tu me dis quand ça commence hein? Bah ça commence. Ah déjà? Ouais. What? Oh il a le ressort, ah ouais petit malin. Oh, allez! Qu'est-ce que t'as fait? Libération. Vu qu'on est gentil. Je suis sur l'arbre. T'es sur quoi? Je suis sur l'arbre géant. Attends. Ah, il est sur l'arbre géant lui. Bon, je vais déjà aller récupérer son fruit. Hein. Ok, je suis à l'étage juste là-bas. C'est bon. Ah, c'est pour 95 euros. Ah, il veut récupérer la bouteille XP. On a un fight après, oublie pas. Y'a rien dans ta base. Si. Ice Age. Attends. Donc voilà, la bouteille d'XP. Qui apparaît devant mes yeux, voilà, tout simplement. Ça fait plaisir, merci Ice Age. Hein. J'ai récupéré ta bouteille d'XP, Swan, hein, je t'attends. Prends tout ton temps. Oui, je prends tout mon temps, vous inquiétez pas, y'a pas de soucis. Hein. Moi, je vais pas passer là parce que sinon, y'a le granit marin qui va me tuer. Ouais. Ah, il se fait attaquer par les Naruto. Ah, c'est Naruto. Regardez, on va venir le rejoindre. What? Regardez, Swan. Ah, il s'est fait tuer par les Naruto. Ouais, les Naruto, vous êtes les meilleurs. Mais bien joué, les Naruto. Attends, les Naruto qui gagnent. Et voilà. Mais à quoi ça ressemblait? À quoi ça ressemblait? Bah c'est une mob Naruto, je t'ai déjà montré non, plusieurs fois. Non, tu m'as regardez, on a Tiswan et Kiral juste devant, voilà. Montre. Attends, je le mets en... Donc voilà, on a fini. Bah je pense que vous êtes contents, en vrai, regardez. Mais montre-moi le mob. Attendez, Swan Rageur veut voir les mobs, voilà. Ah, mais voilà. Ah, c'est ça les Naruto? Ah, c'est ça les Naruto. Je vas-y, c'est bon, Swan. Tu peux revenir, ta pote. Donc voilà, on a fini ce live Minecraft avec ses beaux fights. En vrai, hein, moi je suis plutôt content. Donc voilà, là j'ai pris le fruit le plus puissant. Donc voilà, j'avais toutes mes chances de le battre, évidemment. Mais voilà, écoutez, c'est merveilleux, je vous dis. Ah, c'est déconnecté carrément. Non, mais parle pas, Swan. Attends, tu veux pas dire au revoir? Ah, oui, désolé. Allez, on espère que ce live vous aura plu. Voilà, il est tard quand même. Il est tard, donc voilà, on arrête. Pensez au pouce de l'œil, donc voilà, on va s'arrêter là. Vous êtes quand même 3000 sur le live, c'est plaisir. Donc voilà, on peut dire. Qui a gagné?
Voilà, bah j'ai gagné. Voilà, hein. En tout cas, c'était très sympa de créer ces châteaux. Moi, je mon château était plutôt mal. Bah moi, j'ai détruit, mais moi, j'ai rien fait. Mais oui, parce que moi, j'ai pas eu le temps. Il a pas eu le temps. Mais moi, j'ai une énorme préparation. Il prend énormément de temps et tu me laisses pas le temps de la faire. Il avait une heure et demie pour le faire. Bref, bah oui. Après, Sven, si t'avais pas le temps, tu t'aurais dû me le dire. Ouais. C'est une excuse, genre vu qu'il a perdu, il fallait une excuse. Bref, voilà. Après, j'avais pris un fruit pas mal, mais bon, après, Sven, voilà. Il a détruit ma base, du coup moi j'ai pris le fruit hyper puissant. Bref, en tout cas j'ai gagné. J'espère que ce live vous aura plu. Si vous voulez une suite de fight comme ça, dites-moi dans le chat. En tout cas voilà, on s'arrête là pour la vidéo tout simplement. On espère que ce live vous aura plu. On vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. Oui. Allez, vous pourrez retrouver Swan samedi prochain. Allez, on vous laisse. Et voilà, Swan s'en va. Allez, salut à tous.